Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Pourquoi il marque ça maintenant ?
chauffe. Mais il y a un paquet de chill là. Comme c'est pas ce qui manque là. Comment ça? Les anciens, faites moins de bruit, je suis en train de stream. Ah merde. Ça va pas m'aider ça. Ah merde. Putain bah bouffe t'as rien. Putain. Sérieux, il y avait de quoi au coffre? Coffre, shield, il y avait de tout. Une vraie brocante. Putain. Ça c'est nickel.
S'il y a personne à Lonely, j'ai de quoi faire. Industrie. C'est un épique. Oh, laisse tomber. J'aurais pas assez le temps. Je n'aurais point assez de temps. Je balance quelque chose quand même. Allez, hop. Je me casse. Ça, oh putain, mais allez, traite leur machine là. Mais sérieux, c'est quoi cette merde là? Ah, ils l'ont modifié.
Est-ce qu'elle est là? J'irai loin avec ça. Avec ça, j'irai loin. Je prends le snipe quand même. Okay.
trop loin, je suis trop loin, je me casse. C'est pas vrai. Bon, bah, faut que je déploie. Hein. Là-bas. Putain, mais c'est pas possible là. On est dans notre zone direct. Ah, j'étais le dernier. Ah oh, bah d'accord, ok. Super content.
équitable. Vous pouvez mettre 48, 48. Hein. Allez, il y en a déjà un de moins. Pas de caisse de munitions. Oh, distributeur. Ah, ils ont modifié la zone, quoi. Ah, y a pas intérêt de traîner, hein. Sinon, c'est mort. J'imagine. Oh, oh. J'ai cherché ça. Le tunnel a été fait, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait point. Oh, 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 oh. C'est pas dit.
distrie. Il n'y a point de distrie. Dessus ou quoi lui? J'ai pas de pompe. De se faire détruire encore une fois, c'est cool. Quoi? La pompe. Ouais, hop. Je vais prendre ça. J'espère qu'il va y avoir quelque chose de bien dedans. Thank you.
qui va regarder ma vidéo. Toi t'es suicidaire. Dans ce cas t'aurais dû te mettre une bombe sur le torse. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok. Super cool. C'est super cool. Un adversaire sur le qui en ligne. Solo. Histoire de changer un peu. Merde, Louisox. Bonsoir. Oh, bonsoir. Salut à toi, le Belge. Bah, il n'y a pas que moi, en fait. Y a... ouais, salut, mais il y a aussi Florian. C'est cool. Hein? Ouais, c'est au sérieux. Oh, Dieu. J'appelle comment tu l'as dit. Hein? T'as dit comment, sans pseudo? Wiseau Serious. Ah, tout à l'heure j'ai compris Wiseau Serious. Wiseau Serious, ouais. Faut pas trop en demander. Du coup,
Ah, j'avoue. Là, ouais, c'est marrant ça. Je partais sur un solo, moi. Bienvenue les abonnés, bienvenue dans la. Oh, vas-y, mets en 50-50, voir s'il te plaît. Ouais. Parce que je t'ai pas joué pour rien. Non, mais crache pas dans ton micro non plus, hein. J'ai mis au côté de ma bouche. Moi, j'ai envoyé un truc, un lien de YouTube pour savoir si j'avais pas de problème avec ma vidéo, mais personne, pas de réponse, rien. Mais moi, j'étais parti, hein. Non, on t'entend pas. Tu parles pas. Je parle pas. Non, pas du tout. Bah, normal, hein. On t'entend juste une fois à la fin que tu fais « Oh bah non !» C'est pas vrai, c'est quoi ce bordel? Bah ouais, tu pourquoi te fais tuer et tout, c'est seulement mon contentant. Ah mais, je suis pris dans le jeu, moi, généralement. Quand t'es pris dans le jeu. C'est vrai que quand t'es tout seul, niveau conversation, c'est vrai que c'est pas terrible. Ah si, moi je parle, je fais putain de fils de pute de merde où tu me tues. Ouais, allez-y les gars, abonnez-vous. Faites pas les chiens. Ah non, c'est bon, on t'entend bien. Non, ben je sais pas, maintenant le son est bien sur YouTube, mais après, je sais pas. D'ailleurs, ça me fait refaire un test aussi pour savoir si votre son de votre côté, si je vous entends bien dans la vidéo. Dans le live, ouais, c'est nickel. Vous ? Tout est nickel. Je trouve que Florian, on l'entend beaucoup. Bon, normal, il a une grande gueule. Mais surtout que je suis très important. Non, ouais, mais dans ma vidéo ou. Non, dans le live, c'est tout. Non, je disais ça pour rigoler, c'est super bien. Enfin, la qualité sonore, elle est bien. Non, mais là, je vois, il y a une troisième personne là sur YouTube. Putain, on est choqués si je veux être content. Voilà. Tu devrais être content, franchement. Non, bah, j'ai redésinstallé je sais pas combien de fois OBS pour essayer d'avoir quelque chose. J'avais du son sur Twitch, j'avais pas de son sur YouTube. Après, j'avais des échos, mais pas croyables. J'ai ton tenu. On les a où ces jetons de merde à lui? Bah, du coup, il nous manque quelqu'un, hein. Ouais! C'est pas rien, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mathieu. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, ils sont là. Ah non, ça, c'est bon. Oui, j'arrive, pas besoin de crier! Tu viens maintenant, là? Je lance le jeu là, actuellement. D'accord. C'est bien. Vous avez peut-être le temps d'en faire une, hein, si vous spawnez à Titan. Bah, en sachant qu'on fait du sang, je pense qu'il y a le temps. Non, pas elle. Je suis tombé à la virée après. Moi, je suis en week-end, hein, je suis pas vraiment pressé. Allez. J'ai pas de train à prendre. Allô ? Oui ? Allô ? Oui, allô ? Oui. Attends, est-ce qu'on est des dieux ? Ah non, pas elle ! Oh non, non. Attends, est-ce qu'on est des dieux ? Non. Comment ça, on est pas des dieux ? Non mais elle se croit où elle là ? Qu'est-ce que c'est du... Non mais c'est un test, il n'y a que Florian et moi qui pouvons comprendre. D'accord. Les dieux du stade. Bonjour. Salut. Tu reviens pas sur ta décision ? Non. Bon, en vrai je vais arrêter parce qu'après elle va quand même faire chier à me renvoyer une invite. Rien que pour les faire chier, est-ce que moi je suis un dieu ? Ah oh oui, Aurélie. Tiens, cassez vous, les gars. Il te donne combien pour que tu dises ça? Grave. J'ai rien demandé, hein. Très cher. Non, ça va pas, non. Je pense qu'ils sont sur le même site de rencontre. Le site Trisolentaire. Non, Badou. Badou, waouh. Ouais, super. Et MSN. C'était la bonne. Ils ont acheté l'abonnement premium. Ouais. On est abonné. Moi aussi, j'ai un site de rencontre, ça s'appelle Brazzer. Hein. Ouais. C'est pas forcément la même utilité, mais ouais. Si, on fait des belles rencontres. Très, très, très belles. Un peu particulières des fois. J'allais dire, je sais même pas si le site existe. Est-ce que vous allez baiser.com, non ? Ce soir, peut-être, je sais pas. Je sais pas, peut-être que j'ai pu jouer MTV. Envoie baiser au 766. Le 3615, c'était sur Minitel, mais ça existe encore peut-être. Hein. Ah, t'es si vieux que ça, Aurel. Bah, hey, oh, et moi j'ai connu Minitel, moi. Oh, ouais, chou. Oh, tu crois quoi, toi? Bah, vous étiez encore dans vos. Hey, vous étiez encore dans les couilles de votre père. Tu te dis ça? Oui.
tatoué. Eh, moi, je suis un vétéran, hein. Je connais pas ma vie. Ah, bah non, mais t'es trop jeune, toi. T'as de ma création jusqu'à ma mort future. Bah alors, ça ressemblait quoi, un Minitel? Comme un vieux ordinateur avec un clavier intégré bizarre blanc. Mm-hmm. Et ouais. tu communiquais comment là-dessus, sur le Minitel? Avec un téléphone. Waouh, bravo les gars. Bon, ça va. Parce que c'était relié à la ligne téléphonique. Voilà. Mais qu'elle est intelligente, la ptiote. Tu sais, si je connaîtrais aussi bien tes cours que ça, bah toi, t'es de merde. On en parle de toi qui sort au bout de 2 heures alors qu'on a 4 heures. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'aurais peut-être une meilleure note que toi. En filon, je sais pas. Ah là 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 là. Être ou ne pas être. Ça parle de cours. Allez, on est le week-end, hein. On est en week-end. Parlez. Est-ce qu'on attend l'autre chèvre ou pas? Bah, sachant qu'elle a pas de SSD, ça m'étonnerait qu'elle arrive dans quelques minutes. Du coup, moi, je propose d'aller lancer. D'aller non, mais je suis en train de mettre mon vernis. Hein. Ah oui, oula, bon. Bah, ah bon. Je crois que c'est vas-y, bon, mets un 50-50. Même on peut même partir en. En 800. Oui, en 50-50. Ouais, parce que c'est si elle met le vernis, le temps que ça sèche, oh bah non, bah, je crois qu'on a le temps de faire 2 parties là. Même plus, oui. Je suis rendu qu'à ma plus. Elle a rendu qu'à son premier bourrelet sur l'orteil. Mais c'est sur mes doigts, trop du cul, vraiment. Bon, bah sur son bourrelet, sur son doigt, là. Je te rappelle, t'es obèse, hein. Non. Wizox, tu vois le bibendum? Ouais. C'est à peu près honorine. Ou alors un bonhomme Michelin, non? Avec tous ses bourrelets. Elle a plein de pneus. Elle a plein de pneus autour d'elle. Non, non, elle est juste grosse. Non, non, mais c'est ça en fait, hein, un bibendum. Genre, tu vois les rôtis de bœuf là quand ils sont encore dans la ficelle, ouais. Et tout, c'est à peu près ça. Ce qu'on appelle, oh ouais. C'est ce qu'on appelle les bourrelets d'amour chez nous. Mais oui, mais non. Maigre, putain. Attends. Il y a un petit peu de gras sur les hanches, non? T'as dit quoi? Bah, je suis pas grosse, ça va, oui. Non, non, mais attends, tu as dit que tu étais maigre. Ok, je vais à peu. À quel endroit? En haut ou en bas? Il y a peut-être une culotte de cheval, non? Lui, ça l'intéresse, tout ça. Non, je m'en fous totalement. Non, mais elle a osé dire, non, mais je suis maigre. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. Épais comme un fil à linge, alors. C'est-à-dire. Non, non, elle est obèse. Mais n'importe quoi. La meuf, elle se gourde de chocolat et les mêmes tout ça en cours, et après, elle parle de Florent qui se barre au bout de 2 heures, alors qu'il y en a 4. Non. Ah, la grosse. Bah, tu fous la merde. Alors, rien à voir. Non, mais Honorine, t'es obèse, cherche pas. Eh, vous allez directement pour vous. Bah, si tu cherches des excuses, t'inquiète pas, je t'exclus du groupe. Hein. Mais je m'en bats les couilles, même au vernis. Eh, par contre, c'est quoi ton délire, mettre une photo dégueulasse sur Discord? Ah, bah, je peux la changer du coup. Mais tu l'as plus là, je crois. Ah non, je l'ai plus. Ah oui. Non, parce que hier, je vois ça, je fais, mais c'est quoi ce truc là? C'était à mon stage de vétérinaire en 3ème. C'est cool. Là, je prends des photos du terrus de chien tranquille, ok. Et pourquoi en fait? Pourquoi? T'as fait ça pourquoi? Pour de l'argent. Non, pour avoir une bonne note à mon rapport de stage. Je l'avais mis en plus à mon rapport de stage, je crois. Oh. Alors, rapport de stage, voici ma nouvelle photo de profil Discord. C'était quel point que tu avais corrigé? Du 6 sur 10, après bon, à vous juger. Ah, c'est quel point que tu as corrigé? Ça fait longtemps, je me rappelle. Ah, c'est quel prof qui t'a corrigé? C'est Madame Bouvet. La prof des ET? Oui. Ça a bien marché? Bah oui, je lui ai 20. Ah ouais, d'accord. Et tu lui as donné combien pour que ça marche? Bah, elle me kiffe. Bah, la question, c'est est-ce qu'elle est passée sous le bureau? Avec une femme, c'est pas terrible. Putain, mais il y a un fils de pute qui osait venir avec moi. Eh, gros, Oh là, quoi. Ok. Ouais. Il mentionne très bien à mon brevet, hein. Vous calmez tout de suite. Hein. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire à son bourrelet. Bah, ça. On parle plus de mention pour cette taille. L'autre qui en rajoute une couche. Bourrelet. Pourquoi je sais pas mettre du vernis? Bah, c'est dur de passer entre les vagues. Mais t'es handicapé! Pourquoi t'as mis un fort, fils de pute? Par contre, là, ils ont carrément modifié la zone, hein, à détruire en un rien de temps.
Ouais, j'avoue, 10 par 10. Bah, avant, elle faisait pas ça, quoi. Bah, première zone, c'est comme ça, quand elle avance là maintenant, tu vois, c'est du 1 par 1. Mais quand elle a déjà touché la limite, et puis qu'elle elle se réactive une fois, c'est du 10 par 10. Mais c'est pas que dans 50-50, c'est dans tout. Non, 50-50, juste. Bravo! Je sais pas, c'est une question que je pose. Et bah, ben, vraiment en fin de game, ouais, ça fait du 10 par 10, quoi. Ah, y a un loot qui est dans les arbres là-bas. Ça. Ah. Wizox, ah, effectivement. Ouais, effectivement. J'ai mes répulsives, moi, je m'en fous. Ah non, y a un fils de pute qui y va. Ah, il l'a vu. Merde, dommage. Il sait tout détruire le con. Bah, y en a d'autres qui arrivent. Y'a encore deux autres. Regarde-moi tous ces chiens, regarde-moi tous ces chiens. Évite de m'escalter les oreilles, s'il te plaît, Wizox. Mais non, mais c'est des chiens. Mais non, mais. Putain, Honorine, tu peux faire un effort. De toute façon, il y en a trois d'autres. Donc. Alors, Florian, t'es en vacances mardi, espèce de petit bâtard ? Quoi ? T'es en vacances mardi, espèce de petit bâtard ? Bah ouais. Enculé. Bah, quelle idée de faire baquer ce aussi ? Bah, je te prends tes jantes. Quoi ? Je prends tes jantes. Ouais, c'est un ennemi, hein. Je peux répéter ma question ? Quelle idée de faire baquer ? Trop intelligente, et en plus, j'ai envie d'aller en médecine, je suis obligé. Ouais, tu veux faire. Ah oui, déjà, ouais, tu... ouais, c'est vrai. Ah, tu let's go, fils de pute, ta mère, c'est une grosse chienne. Tu feras naître les trisos. Tu feras naître les trisos, ou c'est comment? Ouais, uniquement. Parce que. Quoi? Docteur Oiseau. Comme ta jour. Complètement, là? Non. Oh, pas de bientôt, quoi. Aurèle, bientôt, mais pas nous. Non, ça va pas, non? J'aurais pu en tuer un, mais il y en a un qui m'a volé tout ce qu'il y avait, le loot, etc. Il y en avait un en face là. Ouais. Parce que mon dernier est en train de sécher là en fait. C'est cool. C'est chez vous quoi. Attends, bravo. J'ai un petit snipe. Je vais voir si je peux en baiser un au moins. Bah. Bon, oui, avec un sniper en plus. Non, mais. C'est sans la mire. C'est vulgaire. Y'a quoi comme OP? Je suis en train de me faire niquer. C'est un pays, il y a des enfants, ouais, non? Ah oui, c'est vrai, y'a vous, ouais. Ah, j'ai oublié. Non, y'a. Mais celui-là, c'est trop bien, il est tout rose! Putain. Ah, j'ai touché. Wizox? What? Comment j'en ai mis un KO? Avec une grande chute? What? Wizox? Bah, ouais, comment? Tu te souviens qu'on a critiqué le planeur Pétunia? Ouais. Et bah, fait. Ah, y'en a un qui est tout rose, c'est trop bien! C'est un peu chaud quoi. Il est sur une fille, c'est normal. Oh non, ils sont tous là. C'est infâme. T'as vu comment il vous attège? Que c'est quoi? Aurel, je te kiffe. De quoi? Aurel, je te kiffe. Parce que tout le monde te dit bonjour. Genre Hoffman, Florian et moi. Et tu réponds que à moi. C'est trop mignon. Ah bon? D'accord. Ouais. Trop mignon. Bah, il juste qu'il est pas poli en fait. Hein. Non, c'est la moindre des politesses parce qu'il y en a qui sont vraiment mal polis de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu veux, je peux pas leur. Non, mais c'est insultant quoi d'avoir des drops comme ça, c'est nul. Mec, on a que des semi-autos. Non, c'est... putain, l'autre là il me baisse le. Ah, nom de Dieu, de bon Dieu. Victimisé. Il y avait un shield là. Qu'est-ce qui me fait chier lui là? Il y a rien shield là. Ah, t'es affreux avec ton accent. C'est pas un accent, c'est juste ma voix qui est déformée. Ouais, moi aussi, j'arrive à la faire, si tu vois. Ah là là, vous ouais, moi j'arrive à perdre. Ah, quand même, je suis honoré. Oh, si ouais. J'ai pris mon pote. Ah, mais attends. En fait, moi j'ai réveillé, y'a tout le monde qui va être mort. J'apporte du shield si vous voulez. Hein. Est-ce qu'il s'est pris lui? Il s'est pris une belle petite tête à la carabine. Parfait, hein. J'ai plus de construction. Oh, qu'est-ce que je fais? Il y a un tremplin. Allez hop. Non. Sortez. Nickel.
Ouais, super. Je suis allé vachement loin. Retour à la case départ. Ah, mais non. Ah, mais attends, il y a un gros chien là. Nice. Non, c'est trop beau ce que j'ai. Ben, tu mets juste du vernis sur tes ongles de merde. Hein. Non, c'est pas ça. Je mets des petites paillettes dessus. Ah, je croyais qu'il était mort. Non. J'ai pris un petit kit de soins, j'en ai encore un si quelqu'un en, en veut un. Mets-toi. A priori, il n'y a personne. Hein. A priori. Après, a priori. C'est un. Wesh, hein. Wesh, j'essaye de parler comme les jeunes qui parlent mal. Ouais, comme celui qui t'a insulté ou je sais pas trop quoi hier là. Qui m'a insulté hier. Mec, tu disais de retourner voir sa mère ou je sais pas trop quoi. Ah, dans le jeu. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah bah le petit gamin, hein. Ah ouais. Bah quoi, c'est honte pour la France, quoi. Ah, ça insulte tout ça là. Oh là. J'ai le droit de dire que je sais pas qui sont les ennemis. Ah, pareil, gros, hein. T'inquiète pas que. Je suis sur le pont de Tomato, bro, et je vois rien. Hein. On arrive sur leur limite. Mais je sais pas d'où ça tire, il y a un sniper. Oh, ça casse les couilles, putain, mais mes touches, elles se remplissent de transpiration, et du coup ça glisse, là. Oh là là. Mec, tu fais quoi avec tes touches? Mais je transpire, gros, il fait 25 degrés, je dehors. Hein. Bah nous, il fait 29, c'est sympa. Ta gueule, toi. T'as pas de vent, oh, pas... putain, mais c'est pas vrai, bah là, je crève. Baisé. C'est bon, t'es j'ai baisé. Mouru. J'ai mouru. J'ai baisé. Ah. C'était bizarre qu'il meure Paul. Ouais, c'est vrai, hein. Lui, il va mourir. Il y a des efforts petit à petit comme ça, mais peut-être dans 10 ans je serai bon, mais quand Fortnite existera plus. Bah, personne jouera, quoi. Quand personne jouera. Voilà, bah, quand ça existera plus. Quand Gotagan jouera plus le jeu. Mais alors, c'est quoi si Gotagan il joue plus? Et Ninja, et puis tout le tralala, quoi. Voilà. What? C'est drôle. Il y a une tête. Ah non, ils étaient à deux. De quoi? C'est drôle comment tu rageais hier soir, ouais. Moi, comment je rageais? Non. Si. Mais non, je rageais pas. Si, tu rageais. Oui, parce que, en gros, putain, c'est un enculé, genre. Mais oui, mais en plus, t'as engueulé au fan, il avait rien fait, le pauvre. Mais j'ai rien fait. Je dis, ouais, putain, vous l'avez mis en ennemi, j'ai dit là c'est bon, là c'est mort, hein. Là, bah là il va tout modifier, c'est bon, ça va être le bordel partout, quoi. Bah quoi, c'était vrai en plus, hein. Faut pas mettre Hoffman en admin, parce que là, là il bouffe tout le... Mais qui c'est qui avait créé un autre Discord, là, le BR? C'est toi, Wizox? Ah, Wizox, là. Wizox, ouvre ta gueule, je te parle, fais pas le muet. Oh, Wizox là. Qu'est-ce que t'as? T'es pas sur ton serveur, tu peux rien faire. Quoi? Moi, pour une fois, je suis le maître de la con. Tu peux rien faire. C'est ton serveur BR là? Mais non, oh là là, tu dis oh là Louisox, c'est quoi? Je t'explique, tu vas faire quoi? T'es pas dans Fortnite EU, t'es pas administrateur. Tu vas faire quoi? Ouais, ben moi je peux te descendre au niveau de notre Discord. Hein. Disons que ça n'a rien à voir avec le serveur Fortnite EU. De quoi? J'en ai rien à battre. Ok. Ça, du coup, arrête, tu veux finir d'expliquer? Non, s'il te plaît. Oh, rêve. Qui c'est qui a créé le Discord BR là hier? C'est toi, Wizox? Fortnite. Non, Battle Royale, ouais. Ouais, Il y a Daenerys qui avait rejoint. Elle m'a fait: je veux être dans un groupe la plus belle. Et ta gueule, ouais. Là, j'avais même hésité à faire un truc la plus grosse des michetos. Bah, si tu veux, je peux le faire moi. Vas-y, fais-toi. Fais ta place, gros. On a pas t'es admin, avec toi. Nous. T'es modérateur. Bah, dégage. Aurel, attends. Comment ça, je t'ai mis admin hier, du coup? Allez, hop, ça descend en membre. Comment ça? Pourquoi? Sur BR? Ah, je m'en bats les couilles, tu peux.
Je m'en fous. Pourquoi on va pas sur le Discord, le groupe là en fait du... sans... Ouais, ouais, du. Parce qu'on s'en bat les couilles. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ok, pas de problème, moi je vous descends tous. Ah, t'es sur YouTube. Non, mais bon. Et du coup, tu me montes moi s'il te plaît. Parce que moi, je suis ta en... gueule, mais toi ta gueule, putain. On a Vico la patate. C'est moi, Vico la patate. Piu-piu-tou, la grosse. Bon, le gros piu-piu, et puis Wizox, le désintox. Quoi ? C'est quoi ce stream de merde ? Tu fais quoi, Aurel ? J'en sais rien. Tout dépend ce que vous voulez. Il va aller. Twix. Oh, j'arrive jamais à le dire. Twix, c'est deux doigts coupe fin, ça. Putain ! Non. Je suis sur YouTube là. Ah, t'es sur YouTube. Genre, tu trains. Bah, tu regardes sur. Tu regardes sur le Discord, il y a l'adresse dessus. Mais je suis timide. T'es timide. Ta gueule. Ouais, t'es timide. Oh. Bon, ça devient relativement pas de couille à toi le dernier. En gros, on n'est pas filmé, ça va. Tu peux y aller, tu peux sortir tout ce que tu veux. J'ai vu, hein, t'as vu. Et tu remets en rediffusion après ? Bah ça se fait tout seul, ça se fait automatiquement, c'est YouTube qui le fait. Et t'as beaucoup de vues ? Oh là, j'en ai au moins 20 000 en enlevant les 4 zéros qui sont juste à côté. T'en as deux quoi ? Putain, je vais aller dans l'espace commentaire, je vais faire. Ah, je me suis perdu sur YouTube, tu vois. Il y avait une porte qui était grande ouverte, je suis rentré, mais j'ai vu qu'il y avait personne. Oh tiens, un petit YouTubeur, vous faire des dramas sur lui, tu vois. Il y avait une porte qui était grande ouverte. Oh, voilà. C'est qui regarde la rediff, là? Ouais, je me suis entendu parler, là. C'est affreux, attendez. D'ailleurs. J'aime pas m'entendre parler, franchement, c'est affreux. Faut mettre prêt. Non. Déjà, on dit s'il te plaît quand on est poli. Bah, tu te tais, s'il te plaît, tu mets prêt. Mal poli, va. Ta gueule, s'il te plaît, tu mets prêt. Merci. Mal poli aussi. Chut, petit enfant. Ah oui, c'est bien à vous de dire ça. Mais là, je ne fais pas tout, Yan-Yan. C'est rien. Mais tais-toi, il met prêt. Je suis prêt, moi. Oh. Mais bah, Vico, mais l'autre truc là. Ah, Vico la patate. Non. Mais pourquoi Vico d'ailleurs? Parce que c'est une victime. Non, ça te paraît pas logique. Non, moi Vico, c'est la marque des patates, hein. Les chips, non, ça quoi. Hein. Non. Ah, déjà, c'est la marque pour ça. Vu qu'elle bouffe pas mal de chips, non, c'est mais pas ça. Absolument pas, Vico en verlan, ça veut dire grosse victime. Non, c'est mais en verlan. Mais en verlan. C'est pas en verlan. Voilà, c'est nouveau ça. Tout ça là. Mais voilà. Honorine et Yan-Yan, taisez-vous, laissez-moi vous expliquer. Alors déjà, Yan-Yan, la marque de chips, c'est Vico. C-O, pas C-O-S. Donc t'arrêtes de penser à... Ouais, non, t'arrêtes Vico... de penser à la bouffe et tu te tais. Laisse-le toi. Vico, et moi je te dis ça, moi, d'accord. Vico, c'est pas du verlan, c'est une abréviation de victime, d'accord. Maintenant... On en apprend tous les jours. Voilà. Oui. Donc maintenant, les deux autistes, vous la fermez. Laissez les dieux parler. Déjà, les autistes sont plus intelligents que nous. Déjà, je vais te faire une remarque là-dessus. Hein, d'accord. Moi, j'ai un cousin qui est autiste, et puis t'inquiète pas, il est deux fois plus intelligent que moi. Putain, j'avoue. Alors maintenant, t'es dans ta gueule. C'est vrai qu'on est autiste, ça veut dire quoi le bouton retiré du groupe? Ouais. Un peu de respect pour les autistes. Quand je vous entends parler de ça, moi ça m'énerve. Là, je vous ai bien calmé quand même un peu. Mais moi ça me saoule d'entendre les gens, ouais t'es un autiste. Bah franchement les autistes ils sont loin d'être teubés comme vous le pensez quoi. Thank you.
Allez, je crève. Je vous entends pas. Vous pouvez toujours causer, hein, je vous entends pas du tout. Je sais même pas si je vais aller dans le squat 2 quand même. Si c'est pour entendre des conneries. C'est moi qui vais te ban.
Ça va, Aurel? Ouais, je suis bien dans mon coin. Mec, oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la tête? Non, mais le système d'autiste, ça commence à me saouler, ça. Oh, mais on rigolait, gros. Oh. Mec. Et puis même, moi, j'ai rien témoigné là-dessus. J'ai rien dit. Oh, mais... Oh, mais arrêtez. Putain, mais c'est quoi ces autistes, là? Oh, les gars, mais... Putain, bande de schlag. Ouais, on rigolait. Non, mais moi, ça me saoule. Ouais, ok, ça me saoule, mais... Voilà. Bon, par contre, il y a des ennemis, là. Putain. Mais non! Putain! Espèce d'autiste. Enfin, pas toi, hein. Le gars qui m'a tué, quoi. Le mec, il est en double bombe, ce bâtard. Prends le lance-roquette et tu les fais tous péter. Ah, ok. J'ai pas eu... Si j'avais de la construire en brique, mais c'est tout ce que j'avais. Pourquoi tu joues pas avec... Enfin, t'as pas des boutons sur ta souris pour mettre les trucs, les armes, les murs? Non, c'est sur mes touches. Ah merde. T'as même pas les deux boutons sur le côté de la souris, rien du tout. Mais non, j'ai d'autres boutons, après je pourrais en mettre d'autres, mais c'est que sur le logiciel de Logitech... Je comprends pas. J'ai, ah non, mais t'es pas obligé, j'ai, pas obligé trois, le... j'ai trois autres touches en plus hein, sur ma souris. Ouais, mais t'es pas obligé de les mettre avec le logiciel, hein. Si, je suis obligé. Avec Logitech, si. Oh, ça te dit quoi sinon? Parce que sinon, j'ai deux touches, ça me sert pour le DPI de la souris et pour la couleur, vu que c'est une souris avec RGB dessus, quoi. Ouais. Ouais, ça va. C'est bizarre alors. Et il reconnaît pas Fortnite dessus. Il faudrait que j'aille sur Logitech, peut-être qu'ils ont une mise à jour pour la souris. Ouais. C'est quoi la souris? Logitech. Une 500... G502? Ouais, je crois que c'est ça, avec les poids en dessous, ouais. Ouais, c'est... elles sont connues. Vas-y, move-les dans le channel. Oh bah, on va se balancer directement dans le squad. Ouais. Vas-y. Range avec lui. Ah, j'en ai fait quand même un meurtre, c'est bien. En effet, j'ai fait une assistante, je pense. J'ai fait deux. Ah bah non, en fait, même pas. Putain, mais... Les gars subis deux tonnements, ok. Oh, mais arrêtez avec le piano, là! Hey, c'est déprimant! Oh bah bon. Attends, je vais voir qu'est-ce que c'est. Ouh! I got you want a low low.
déjà... Oh putain, j'ai failli tomber en arrière. No joke. Oh, j'ai transpiré. Putain, était Hoffman qui chez lui, il fait 6 degrés, quoi. Limite, ça gèle chez lui. Putain, j'ai... Mes parents, ils préparent le barbecue. Ça, ça fait plaisir. J'en connais qui ont déjà mis leur... qui ont déjà remis leur piscine. C'est mongol. On est en Belgique, je vous signale, d'ailleurs. Hein. Puis alors, il fait plus froid que chez nous, en France ? Largement, mais il pleut toujours. D'accord. Genre, surtout là, on habite. Hein, c'est à côté du nord de la France, du coup. Voilà, quoi. Bah, ils verront bien. Hein. De toute façon, le mois d'avril n'est pas terminé encore. Ouais. Déjà, je crois que la semaine prochaine, il fait plus froid. Bah, ouais. Ce qui paraît. Chez nous, je sais pas. Ouais, ils annonçaient un peu de flotte, mais je sais pas à quel moment. Samedi. Pour moi, c'est. Apparemment, il fera plus. Attends, frais, on n'est pas à samedi prochain encore. Ah, moi, samedi prochain, j'aurais déjà déménagé le samedi prochain, donc je m'en fous. Moi, c'est. Je déménage le mercredi et le jeudi. Et apparemment, ça sera dans la nuit. Donc, ouais. Il fera peut-être un peu froid. Dans la nuit ? Bah, ouais, parce qu'en fait, mes parents, ils finissent tard. Genre, ils finissent 17h. Déménager dès la nuit ? Ah, bah, putain. Bah, enfin, non, à partir du soir et peut-être une partie de la nuit, tu vois. Mais on a les clés de la maison. Lundi, du coup, on peut déjà déménager 2-3 petits trucs, quoi. Les caisses, tout ça. Bah, les cartons, mais bon, j'espère qu'il y a l'électricité déjà dans l'autre maison. Ah ouais, tout est fait. Et même que lundi, je pense, il y a carrément le gars pour Internet, tout ça, qui vient. Et Internet, il sera directement mis. Il n'y aura même pas de délai. C'est trop bien, ça. Bah, que nous, on est obligé... généralement, vous demandez un mois avant pour avoir Internet, et encore, des fois. Bah, nous, on a téléphoné la semaine passée ou la semaine d'avant, et bah, c'est tout. Mais apparemment, ils nous ont dit que... Oh putain, tu l'as fait tomber, lui. Ouais, bah, ils nous ont dit que ouais, ça serait directement en ligne, tout ça. Les parents m'ont fait peur, ils m'ont fait, ouais, il faudra attendre un mois. Bah, non, là, du tout, en fait. Ils ont... Ouais, mais prêt, s'il vous plaît. Mais attends, il a encore... Il y a encore Piu-Piu, là, qui est sur le jeu. Mais comment tu fais pour rater tes balles, gros? What? Lui, là, tu peux l'avoir. Il a été touché, celui-là, non? Bah ouais. Vise la tête, gros, vise. Ah, oh, bien joué. Il l'a couché. Ouais, termine-le, hein, du coup. Faisons, je crois qu'il va être terminé. Hein. Ah, mais l'autre qu'il a visé... Là, hein? Ah, juste au-dessus. En vrai, juste, les gars... Enfin, au vrai... Attends, désolé. Imagine ce qui se passe dans la tête de Pika pour faire ce qu'il fait, tu sais, à Jeunette et son chien. Ouais, ouais, bah, tu vois, j'étais surpris par rapport à ce que j'ai entendu hier. Ces mecs, je savais, tu vois, l'autre fois j'étais en vocal avec lui, puis j'entends son chien pleurer derrière et lui qui gueule dessus. Je me suis dit, ouais, bon, ferme ta gueule, faire... tout. Ouais, ouais, non, mais je sais pas, ouais, mais... j'ai déjà entendu, ouais. Et je pensais, tu sais, qu'il disait, ouais, c'est calmé ou quoi, tu sais, mais. Après, j'entends taper, je pensais que c'était sa femme ou un truc. Non, mais il y avait le chien, il y avait un moment, il y avait le chien à Jeunette aussi quand il était parti. Oh non ! Le chien à Jeunette, et moi je pense qu'il a maltraité le chien à Jeunette aussi. Bah, franchement, je pense aussi. Mais je pensais pas que c'était un ancien tolère. Mais, ah ouais, non, ça je le savais pas du tout en vrai. Bah non, je l'ai appris hier quoi. Et. Je pense que tout le monde l'a appris hier d'ailleurs. De quoi ? Oh, t'inquiète pas. Lui, aujourd'hui. Mais non, c'est du fait, tu vois, qu'il y en a qui ont su que, ouais, de toute façon, Aurel, il aura jamais ses 300 euros. Non, mais franchement, Aurel, je pense que je peux te le dire comme ça directement. Je sais pas si tu les auras directement. Non, mais il me reste plus que 100 euros à voir. Ouais, t'es 100 euros même, gros. Hein. Je pense pas que tu les auras directement, désolé de pas te rassurer, mais... Non, bah en début de mois prochain, t'inquiète, normalement, je les aurai. Normalement. De toute façon, j'ai son adresse, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Ouais. Mais,
tout ce que je souhaite, c'est que vous dites rien pour l'instant. Non, ça t'inquiète pas, mec. Moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir mes 100 euros et après, vous pourrez dire ce que vous voulez, ce que vous pensez de Pika. Moi, j'ai joué avec lui hier soir, ça s'est très bien passé. Après, je lui ai demandé un petit coup de main sur YouTube. Bon, après, je me suis endormi hier soir. je sais plus vers quelle heure, je crois qu'on m'a entendu d'ailleurs. Parce qu'à un moment, je dis putain, mais qui c'est qui parle? Il y avait la vidéo de YouTube qui fonctionnait en même temps. Je sais quoi ce bordel. Alors, j'ai tout coupé. Je sais plus à quelle heure je me suis couché, mais j'étais vraiment crevé à un moment. Et, attends, d'avoir fait de la tôle, ok, c'est sa vie, tout ça, qui fume, après, c'est sa vie. Ça veut rien dire, un gars qui est tôleur. Ouais, moi je connais un collègue, c'est un ancien tôleur. Et puis, tu vois, il a 50. Mais c'est sa vie, palais, mais. Mais de là à faire ce qu'il fait à son chien, peut-être bientôt son fils. À quoi ça sert d'avoir un chien et puis de le maltraiter après, quoi? Mais grave, c'est. Ouais, ça a aucun. Ouais, je sais pas. Parce que je crois qu'ils ont un chien et un chat. Mais tu sais, j'ai vu un truc il y a pas longtemps, c'était sur Twitter. Ah, ben c'était un gars. Attends, je coupe la musique. Voilà. En fait, c'est un gars. Son chien, il s'était cassé sa patte. Et apparemment, oui, il a chargé comme il a foutu un coup de hache. Il a foutu plusieurs coups de hache, t'as vu? Oui, le type, il a emprisonné 30 mois de prison et interdiction d'avoir un chien ou un animal compagnie à vie. Non, mais apparemment, il traitait mal aussi sa famille aussi. Hein. Bah franchement mec Ouais parce qu'il voulait pas un chien handicapé dans la maison. Ouais. Alors qu'il y avait pas de fracture, il y avait rien. Bah si, une fracture à la patte. Non, même pas, ils avaient pas parlé de fracture, c'est que la patte elle était cassée. Hein. Ah non, ils parlaient pas de fracture moi par rapport à ce que j'ai vu. J'ai vu trois articles et trois articles qui disaient que sa patte était cassée. Ah non, il parlait pas de la patte était cassée, elle était, elle avait juste roulé, enfin la femme avait juste roulé sur la patte, mais sans fracture, c'est tout ce que j'ai vu. Chaud. Et du coup lui tout ce... après, tu sais nous c'est tellement transformé des fois les. Ils sont complètement cons mes alliés. Ouais. Il y en a plus que trois en face et on va pas réussir à les avoir. Enfin perso mon chat il est malade et c'est pas pour longtemps qu'on le pique, qu'on le soigne même si ça coûte cher. Viens, je peux le soigner si tu veux. Les gars, nous, on avait. Un lapin derrière la nuque. Arrête. En fait, si tu veux, mon chat, il a une maladie qui fait que ses propres anticorps l'attaquent. Et du coup, on peut rien faire à part lui donner des médicaments, quoi. Oui, et bah, il a un virus, quoi, qui est déjà intégré dans son corps. Bon, je vais manger, les gars, je reviens après. D'accord. Ah, je croyais que t'allais manger ton chat. Non. Ben les gars, moi, en fait, nous, avant, on était dans une ancienne maison, enfin notre ancienne maison, voilà, bref, et on a déménagé, enfin bref. Et genre, en fait, tous nos chats, vu que c'était une ancienne fermette, tous nos chats, ils étaient habitués à se mettre en dessous des voitures, tout ça. Et il y avait un chat qu'on avait recueilli parce qu'on l'avait déposé en face, tout ça. C'était tout petit, tout ça, bref. Et un jour, il s'est mis dans le moteur de la voiture parce qu'il y avait un espace pour qu'il se mette, enfin un espace libre en tout cas, et il se mettait dedans à chaque fois. Et genre, vous avez roulé avec? Mais on a roulé, on était en train de partir chercher ma mère au travail, et puis t'avais ce chat qu'on avait recueilli qui était dans le moteur, et d'un coup, j'avais entendu miauler. Moi, mon frère et moi, on avait entendu miauler. Puis t'as mon père, il disait non, c'est rien, bon, bref, c'est pas de sa faute, hein, il n'avait pas entendu, mais bref, on avait quand même parti. Et puis, jusqu'à ce qu'on entende qu'il roule dessus, mais ça va, il a juste été touché à sa patte avant. En droite ou gauche, je sais plus, mais en gros, on a dû lui amputer une patte. Et le chat là, il était comme un chat normal, sauf qu'il avait pas, il avait que trois pattes. Il tournait sur trois pattes, ouais. Mais, comment dire, on a déménagé à la maison, on est ici, qu'on va d'ailleurs bientôt déménager encore une fois. Et ben, en fait, on déménage parce que bon, propriétaire apparemment le vent, bref. Et le voisin, il a empoisonné plus d'une vingtaine de chats qu'on avait. Du coup, il y en a qu'on a jamais revu, il y en a qu'on a eu chez nous, qui a agonisé, tout ça, bref. Et puis t'as ce chat, qui avait sa patte amputée, il s'appelait Boule d'ailleurs, trop bien ce chat. Et un soir, il sortait jamais, hein. Et le seul soir on l'a fait sortir pour qu'il aille pisser, on l'a plus jamais revu. Et d'ailleurs aujourd'hui on l'a jamais revu. Et il est mort, c'est obligé, mec. C'est des gros fils de pute, les voisins qu'on a, mec. Si tu savais, oh mon gars, le voisin, mec. Si c'est pour se dire, le voisin que j'ai, c'est un pédophile. En fait, ils ont deux maisons. Oui, ils ont deux maisons. Le gamin, en fait, c'est un gars de 50 ans qui vit chez ses parents. Et le gars,
Il a une maison à lui, enfin à lui entre guillemets, parce qu'il a prêté pour des autres gens. Et il n'avait jamais habité là-bas, il habite chez ses parents, bref. Et dans la maison qu'il a fait construire, tout ça, qui n'y va jamais, il y avait un voisin qui avait des enfants jeunes, tout ça, bref. Il les prenait en photo et il se marrait devant. Et comme ça, il les prenait toujours en photo quand c'était l'été, quand il y avait la piscine, du coup, tu sais, c'était à moitié nu, tu vois. Non, ils n'avaient pas de t-shirt, il n'y a rien du tout. C'était n'importe quoi. Il les prenait en photo. Et c'est des malades, et heureusement qu'on les menace. Bah oui. Mais il y en a partout des malades. Hein. Le genre, on a téléphoné plusieurs fois ils en ont rien à foutre. Moi personnellement, j'aime pas du tout les chats. Ah bon? Ah ouais. Je préfère les chiens que les chats. Ça dépend, ils sont bon goût eux aussi. Hein. On n'est pas en Chine là, s'il te plaît. C'est raciste. Alors, je préfère les chiens, ils sont plus solidaires que les chats. Les chats. Bah, les chats, tant qu'ils les nourrissent, c'est bon. Hein. Voilà. De toute façon, nous on a les deux. Donc... Non. Moi, je vois ma soeur qui avait deux chats. Bah, non, c'est insupportable. Tu les vois. Bah, nous, on a un berger allemand. Partout. Non, mais moi, j'ai horreur de ça, moi. Nous, on a un berger allemand et un dog allemand. Mec, les bergers allemands et les dog allemands, mec, trop bon, gars. Moi, je préfère les bergers allemands. J'adore les bergers allemands. Ces chats sont vachement obéissants. Bah ouais, il y en a qui disent qu'ils sont méchants, mais mec, c'est de la façon que t'éduques, c'est tout. Tous les chiens sont gentils. Hein. Ça dépend de l'éducation. Du bête. Voilà. Donc, le chien qu'on avait, apparemment, les bergers allemands, c'est méchant avec les chats, tout ça, bref. Mec, quand on avait des jeunes de chats à la maison, on les mettait à cause de lui. Le chien, il les léchait. Mec, on voyait qu'il les aimait, tu vois, il était pas dangereux, mais il a jamais été dangereux, le chien là. Et voilà, mais... Il y en a masse qui disent que c'est méchant, tout ça, c'est n'importe quoi, je les comprendrai jamais. Tous les chats sont gentils, ça dépend de l'éducation que tu leur donnes. Ouais, c'est ça. Oui, c'est comme le Rottweiler, tu vois, chez nous, il y a eu des problèmes, Rottweiler ou les Pitbulls, il y a eu des problèmes avec eux, parce que il y a eu des enfants qui ont été attaqués, surtout par le Pitbull, généralement. Ouais, Pitbull, ouais, bah oui. Mais voilà, c'est que l'éducation, il y était pas non plus, hein. Mais sais que le jour où j'aurai vraiment la chance d'avoir un terrain, parce que là où je suis, c'est vraiment petit, mais le jour où j'aurai du terrain, je sais que moi, c'est un berger allemand. J'en ai eu un chien, mais là, je peux pas me permettre d'en avoir un, parce que c'est vraiment petit chez moi, quoi. Ah ouais. Le prochain chien que je veux, c'est un berger allemand, ça c'est sûr. Franchement, entre un chihuahua, et enfin des petits chiens, tu vois, des trucs comme ça, comme un chihuahua, et un berger allemand, du grand chien, mais je prendrais largement du grand chien. C'est des crapules, les petits chiens, mais les ça petits, gratte partout. Moi, c'était un petit que j'avais, hein. Il faisait 2,5 kg. Hein. C'était un de quoi, pur... le berger allemand? Non, mon chien, c'était un pur bâtard. Non, il était croisé avec du Yorkshire, il y avait du caniche, il y avait son père était pur bâtard, mais il ressemblait pas du tout à sa mère, tu vois, il avait les oreilles droites, tout. Je l'ai gardé pendant... Je l'ai gardé pendant... Putain, je l'ai gardé pendant 12 ans à peu près. Combien de temps? Il est où? Putain, il a pris le tremplin, cet enculé. Pendant combien de temps? J'ai pas entendu. 12 ans. Ah oui, quand même. Ouais, moi je l'ai eu à la naissance. À la base, il devait être à ma sœur, et puis du coup, il s'est familiarisé avec moi. Et du coup, j'ai gardé ce chien après, quoi. Moi j'ai trouvé un lama, tu vois, mec, c'est trop chaleureux comme animal, ça, c'est ouf. En plus, ça te donne plein de récompenses. D'accord. Il t'a pas craché à la gueule, non? Non, il est un petit peu avec du papier et tout. Il est bizarre, mon lama. Attends, je vais lui demander ce qu'il a à m'offrir. Moi j'ai un chat full move et full bleu. C'est cool. Ah, il a plein de trucs à m'offrir. On est sur du 50. Bah, on est déjà dans la limite, là. Gros, on fait moite mode pour les construits, s'il te plaît. Quel construit? Bah, les construits du lama. Hein? Quel lama? Ta mère passe à moitié, gros. S'il te plaît. On est parti en serveur privé solo, Aurel. C'est pas mal. Moi, je suis bien en squad, moi. Ah non, mais on est parti en serveur privé, je te dis. Tu sais, les parties personnalisées.
Ah putain, il y en a deux sur moi là. Ouais, vous êtes trop loin de toute façon. Mais t'es où toi? Ah, j'ai cherché en plus ces mecs là, ils étaient carrément en bas. Bah, là où on était au début. Arrêtez! C'est-à-dire, bah ouais, bah je vois même plus mon point d'ailleurs. Bah, sur Salty, je crois. Ah, moi j'aime pas Salty, hein. Vas-y, passe un peu de. Pourquoi tu farmes le bois et gros, t'es full, t'es con? Bah, tu passes et tu ramasses. Ah, ouais, effectivement. Bah, ouais. Quelqu'un qui t'aide. Putain, j'avoue. Alors. Quel dieu. C'est vrai que ça ne viendrait pas à l'esprit d'aider les autres, toi, Wizox. Non. Tu penserais surtout à ta gueule, un peu comme Hoffman, quoi. À ton avis. Bon, merci, bah, j'ai vas-y, viens, on fait un truc qui vole. Vas-y. Un truc qui vole. 3, 3, 2, 1. Ça a marché avec. T'as vraiment cru que j'allais tirer. Non, en vrai, gros, viens. Vas-y. Non, faut qu'il se mette sur une marche. Je vais mettre sur un escalier et tu voilà. Mets, tu propulses. Non, non, propulses, attends, ouais. mets un pied. Non, mets-toi pas non. Là, Pépio. Faut que tu te mettes par là et faut qu'il ait un pied. Un pied dans le vide, voilà. Non, merde, attends. Mets un pied dans le vide. Nous, on l'avait fait avec les citrouilles à l'époque. Ouais, là, c'est bon. Là. Mais non. Pourquoi t'as bougé? Attends, mais oui, mais j'ai une arme. Attends, faut. Non, rappelle... t'as mais pas... non, comme ça, il va pas voler vers le haut. T'as pas besoin de mettre de marche. D'accord. Mec, non, faut pas. Mais... Allez, t'es mort, toi, un peu. Mais t'es mort. Vas-y, fais-moi voler, je m'en fous que j'aille vers le haut, mais je vole. Ah merde. Je vole. Je m'en fous, je volerai comme un arabe. Normalement, t'as pas besoin de mettre d'escalier. Tu te mets juste comme ça. Allez, passe-moi ça. Voir. Ils l'ont peut-être modifié, hein, ça se trouve. Non, parce que le toit on a effectivement. Ah, mais viens. Non, c'est à moi. Viens, là comme ça. Attends, ouais, du coup, là, c'est trop bas. Hop, vas-y, non, je vais me mettre. T'as eu juste un escalier à mettre, hein. Mais donc, toi, genre, toi, tu te mets là. Tu te mets là, gros, et tu vises en dessous, là. Comme ça. T'as vu? Non, descends, mais. Laisse-moi faire, mets-toi en face. Descends, je t'ai dit. Tu vises en dessous de mes pieds. Tu vises le pied droit. Ça a pas marché, hein. Ça marche pas, t'es en train de... Visant sur mes pieds. Vous êtes en train de vous faire tirer dessus, là. Bravo, mec, un bras. T'as pas un tremplin, là? Si. Salut. Ah, bâtard, mais... Eh, hey, mais... Ah, mais il est là. Ah, mais sale bâtard, démon. Tout est grand mort, mec. Ah, il me shoot dans les airs, non. Ils vont m'avoir, gros, j'ai 2 PV. Ah. Construis devant. Ah, ok. Ok. Putain, bravo, mec. Hein. Attends. Mais ils m'ont pas vu, ces bâtards. Tuez-moi, s'il vous plaît. Bon, bah attends, je vais crever. Hop. Retournez au salon. Retournez au salon. Au saloon. T'es un gars, mais t'as toujours voulu voler et tout. Aucun scrupule, le Wizox. Attendez. Allez, tout le monde, je m'appelle le Wizox. Putain, mais niquez vos mères. Voilà, merci. Ah. J'ai essayé de... Je suis en train de faire un truc là, comme mon frangin avait fait une fois, tu vois, il faisait semblant qu'il faisait une association de pêche et puis il lui fallait du matériel. Et là, j'ai envoyé juste un truc à Topacha, je sais pas si tu connais Topacha. Mm-hmm. Et j'aurais demandé s'ils avaient des promos, des trucs comme ça à me filer, juste pour leur faire de la pub pour YouTube et puis Twitch. Donc je vais attendre une réponse, mais ils étaient fermés aujourd'hui et puis demain, quoi. Donc j'aurai peut-être une réponse lundi, je sais pas. Inch'Allah. Et, parce que j'aurais demandé, je dis bah s'ils avaient un micro et puis une webcam à pas trop cher pour moi justement pour les streams. Et je sais que t'envoies bien une webcam pas trop chère, genre 25 euros.
Non, 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 mais pour l'instant, j'en veux pas. Faut, je vais attendre le mois prochain, mais je sais que mon frangin, lui, il avait reçu du matériel de pêche, mais gratos, quoi. Ah ouais? Ouais, donc vu que moi, j'ai expliqué que je voulais faire du stream, enfin, je faisais du stream depuis 3 semaines, je voulais faire de la pub, comme je leur ai dit, je demande rien en retour, mais faire de la pub pour Top Achat, donc, tu sais, des fois, ils peuvent me filer un truc gratos. Parce que je leur ai demandé un micro. C'est du troc, c'est du troc en vrai. Micro bah, ton micro il est bon, mec. Hein. Ouais, mais c'est le casque quoi. Bah alors. Bah après, je sais pas. Généralement, tu vois, ils mettent un micro vraiment à part. Bah ouais, bah. Tu sais, mec. Pour débuter, ça fait largement l'affaire en vrai. Ah oui, bah je sais bien. Mais des fois, tu peux avoir des bons. Peuvent te refaire des trucs, toi, ils sont en fin de saison, toi, des trucs qui se vendent plus ou quoi, ou qui perdent de la valeur. Des fois, ils s'en débarrassent, quoi, parce qu'ils arrivent pas à les vendre. Parce que j'aurais demandé s'ils avaient quelque chose à pas trop cher qui pourrait bien fonctionner, justement, pour le stream. Maintenant, j'ai juste à attendre une réponse. Je pense qu'ils essaient de suivre la mode, du coup, je sais pas s'ils ont vraiment des trucs à déstocker ou quoi. Non, mais Top Achat, après, c'est pareil, c'est que je suis client, j'ai quand même acheté pas mal de choses chez eux, quoi. Oh putain, j'ai un lance-roquette, nickel. Si tu veux, tu peux me le passer, hein. Non, non, il est pour moi, celui-là. Ok. Non, vous êtes un gars, ne l'ai eu pas. Il est pour WAM. Et ça, c'est pour les gamins, ça? Connard. Putain, j'ai pas grand chose de bien quand même. En plus, ta maman quoi, hein. Y'a pas un pompe là par là? Y'a un distri, mais c'est de la merde. Attends, il a pas un pompe. Ouais, mais mec, arrête de juger comme ça les distributeurs, s'il te plaît, wow. Non, mais c'est un blanc. Bah alors, tu te prends pour qui le mec, wow? Parce qu'il serait. Non, il serait mieux, c'est ça? Mais ça vaut rien. Il m'a laissé les grenades à répulsion, le mec. Il y avait rien de bien dedans, En plus, ça n'a rien moyen, lui, je le fais voler, gros. Il y en a même pas dedans. Alors 17 roquettes. Ah, 17 roquettes. 25 en moins. Ça pourrait être. Il s'attendait que ça allait être une douille. Ne pas sourire là. Ah. Ouais, et ta mère aussi, elle passera pas. Parce qu'avec ses gros. Ses grosses chaises, elle peut pas passer entre les portes, hein, entre les chambres. Hein, hein. Et ta mère en slip. Ah, gênant ça. Ou ta mère en short. Ah, c'est beau. Ta mère est tellement grosse que quand t'apportes des talons à aiguille, elle a trop de pétrole. T'as jamais connu cette mode avec ta mère? Ben si, mec, en primaire, hein. Genre ça remonte à il y a 4 ans. Putain, je me sentais comme une grosse victime quand on me disait ça. J'étais en mode dans ma tête, oh, ce qui t'a mis. Au final, c'était de la merde. J'aurais dû lui répondre. À tous ceux qui nous disaient ça, j'aurais dû leur répondre. De toute façon, moi, ma mère, elle a pas tourné comme un handspinner. Comme. Tu vois. Un handspinner. C'est pas ça la blague. Non, mais ça existait pas. Ah, non, c'était pas ça en fait la blague. C'était quoi encore? Ah, voilà. C'est. Au moins, ma mère, elle a pas tourné plus qu'un handspinner ou un truc du style, mais je sais plus trop comment est-ce qu'on. Oh, il y avait ta mère en short, ta mère en slip, ta mère est tellement grosse, t'avais. Ah, ta mère elle a plus tourné qu'en spinner et tu parles, gros fils de pute, voilà. À peine haineux ça, à peine haineux. 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 Ouais, mais il y avait la lésion, c'est pour ça. Ah,
Ça, la tour, elle a été faite, ça, à mon avis. Je vais aller voir quand même. La mer a... Oh, il y a que dalle dedans. J'entends rien. Ça a été fait. Oh, bah, il y a que dalle. Attends, Aurel, attends, il a tiré avant moi alors qu'il est en train de recharger son pompe. Ah, c'est con, ça. Aurel, reste en haut. Il est en train de recharger son pompe et il tire avant moi. Pourquoi je reste en haut? Attends. Ouais, il va me foutre un répulsif. Vas-y. Non. Ah, putain, l'enculé. même pas mal. J'ai entendu TC4. Bon, elle est top, je vous regrette. Quoi? Vas-y, Aurel. Aurel, tire. Tire sur moi, voir. Il y a des tiraliers. Ouais, d'accord. Okay. Je vais pas les gaspiller pour rien. Allez, mais de toute façon, je t'en passe une, après. Je te passe toutes mes roquettes après, là. D'accord. Qui te dit que... Qui me dit que t'en as des roquettes? Pour moi. Allez, oh, tu veux que je t'envoie un skin de l'inventaire? Tu les sortes pour ça. Pas de soucis. Non, faut les sortir. Mais voilà, elles sont devant toi. Vas-y, envoie-moi dans les airs. Je vais te montrer. Ça marchera pas. T'inquiète pas. Vas-y, viens avec moi. Fais une marche. Non, faut juste que je saute. Ah, mais non, mais viens, on va aller. Fais une marche. On va aller. On est un peu trop vol quand même. Ouais, on va. Tu vas m'envoyer là-bas. Là-bas, là. Ouais, à la montagne. Ouais. 3, 2, 1, go. Enculé, va. Tu vas faire foutre, connard. Alors toi, non, mais vas-y, casse-toi. Je te fais même plus confiance. J'espère que tu vas t'étouffer là, avec ta connerie. Oh oui. Saloperie de gamin. Là. Putain. Mais pourquoi je joue avec des genoux comme ça, quoi? Ils sont immatures en plus. Oh non, mais mec, on va rigoler de trop pas de temps en temps. Ouais, là, mais non, marrant, là, c'est terminé. Là. Tu pourras me dire ce que tu voudras, tu te démerdes. Démerdes. Aurel, ça me tire dessus, Aurel. C'est pas grave, je m'en bats les couilles. Ouais. Quelque chose, Aurel. Vas-y, tire dessus, je finirai, moi. C'est donc ça tire. Hein. Putain, voilà. En plus, j'avais du shit là, j'avais plus rien maintenant. À cause de tes conneries là. Oh oui, il est mort. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte. J'ai fait dégager lui. There is anybody there. Arrête de crier comme ça, tu me casses les oreilles. Ah, j'ai mis où le tremplin? Ah, il est là. Y'en a pas à gauche là? Y'en a pas sur ouest là des ennemis? Y'en a beaucoup gros en fait. Mission infiltration. If you lose you the way. Ah putain, mais une balle quoi, sérieux. Ça c'est ta mis gros. Bah non, bah et puis tu m'as fait bouffer mon shield là à cause de tes conneries là. J'avoue. J'avais plus de shield, j'avais plus rien. Mais what? Mais c'est quoi ces gars là? Ok, putain, je me suis tiré. Roll back. Ça fait pour toi. C'est rien. T'as zéro kill comme moi, comme ça au moins. Bah, dans un sens, on peut dire que t'as tué ton shield. Qu'est-ce qu'elle est vaseuse, ta vanne. Daenerys, t'es là? Y'a plus personne. Pupou est plus là, y'a plus personne. Attends, voilà. Je vais dire au Hoffman de venir. Tu vois, t'as. Hoffman, viens! Ah, parce qu'il est chez moi pour l'instant. Y'a un Discord, gros.
Bizarre qu'il m'a rien envoyé, Hoffman. Prends ton PC, mec. Et. Ah, bah non, mais tu. Mais là. Non, mais t'es con. Oh là là. Et oh là là, mais t'es con. Oh là là. Ah putain, j'ai envie de ronter. Ah voilà. Chose dite, chose faite. Ah, Shark, il rate mieux que toi. Hein. Et en plus, il me l'a fait partager, alors lui... Audi... Chaussette. Ok. Trop judicieux. Bah, je sais que Shark, il rote comme un... Bah, il arrête pas de roter. Ouais, bah lui... Sur une heure, je sais pas, il rote au moins 20 fois, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, lui, mais... C'est un fou, hein. C'est un fou, hein, lui. Mais pourquoi, Aurel, tu te fous de ma gueule avec mon accent? Bah parce que ça me fait marrer, moi. D'accord. D'accord. Joe, ouais. C'est bizarre qu'il l'ait pas, lui. Yo, les gars. Bah, non. Imagine, en vrai... Non, parce que... Mais il a quitté les serveurs. Non, Shark, en fait, si tu veux, c'est un Jurassien. Il est pas d'origine d'où il est, quoi. Ah bon? C'est un Jurassien, donc il a l'accent, et puis bah, sa copine, et puis Juice. Jurassien Park Jura, le Jura. Jurassien Park. Ouais, c'est un... Il fait partie de la préhistoire. Attends. Ouais, Jounette, il est là. Jounette Jounette Kekette. Ah, il est parti sur un jeu, là. Ah, il est parti sur Sims. Il est parti chercher des amis sur Sims. Oh, Kekette! T'es parti chercher des amis? Alors, le patron... Et... Ah, tu dis Kekette. Oh, Kekette, t'es parti chercher des amis? Le patron est demandé en vocal... Voilà. Merci. De l'unibalide... Une menace vient d'être détectée. Je sais pas ce qu'il fout sur Sims. Ah, j'ai horreur de ce jeu là. J'ai essayé, hein. Mais, moi j'ai jamais essayé. Ah, oh, putain, si j'ai essayé, mais mon perso est déprimé à chaque fois. Il était dans son lit en train de chialer. J'y allais. Mec dépressif. Ah, ouais, carrément. Ouais. Il me foutait la morale à zéro, quoi, en fait. Et j'ai dit stop, j'arrête ce truc-là, quoi. Je sais que les personnages peuvent mourir. Oui, bah, justement, par rapport... Le mec, il fait une dépression. Par rapport à la dépression, genre, ça m'a fait de la quitter. Ça me fait penser un peu... Ah, t'as pas connu, toi, les Tamagotchi. Les Tamagotchi. Tu connais pas les Tamagotchi? Ah, si, les petits appareils bizarres, là. Oui, il fallait que tu nourrisses ton animal, tout. Tu le faisais jouer, tout. Et il fallait que tu t'en occupes à longueur de journée. Et puis, le problème, c'est que quand t'étais à l'école, ben, tu pouvais rien faire. Donc, le machin, il crevait, quoi, aussi. Puis tu reviens des cours. Tu reviens des cours, tu vois. Ah, merde, il est mort. Ça va? J'en ai un, moi. Tu bouges. Attends. Ça a pas duré longtemps. Tu prends le truc, tu prends l'appareil, après tu fais ça dessus. T'es mort. Bah, j'avais même pas besoin de taper, hein, il crevait aussitôt. Alors. Parce que à force de jouer, donc il dépensait beaucoup d'énergie, il fallait le renourrir. Des fois, il prenait trop de poids, machin, etc. Je dis laisse tomber. En gros, c'est Sims, quoi, c'est la même chose. Wow. À ce qu'il paraît, ils peuvent baiser. Bah, voilà. À ce qui paraît, si tu dis ça, mais je crois pas, non. C'était vraiment les trucs pour gamins. Ah, ouais, ah non, pour les Sims, oui. Oui, mais c'est flouté.
Parce que j'avais un cousin, ouais, il jouait à ça, et puis... Un cousin. Bah non, ouais, bah, ça c'est pas moi, ça c'est sûr. Mais lui, il l'avait sur PlayStation... PS2, mec, je pense que dans mes caisses. Sur la 2, ouais, qu'il avait ça. Dans mes caisses, mec, que j'ai déménagé, je pense que j'ai encore des jeux PS2 Sims. Hein. Ouais, bah, j'ai masse de jeux PS2, mais je pense qu'il y a des Sims encore. Eh, t'emmerdes pas, hein, si tu veux des jeux de PS2. Bonsoir. Ah, tiens, Kékette. Ah, la tête gueulée. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Non, mais après. Je reviens du veto. Hein? Mon chien s'est cassé la patte, j'ai la mort. Jure ? Comment il a fait ? Bah, elle est tombée dans l'arbre. Elle a voulu bouffer une branche, la conne, et elle s'est mal réceptionnée, la branche, elle a cassé. Putain, on parlait d'une patte d'un chien, et puis le mec, il lui a foutu un coup de hache pour le tuer, quoi. Ah ouais, grave ! Putain, je me suis dit, mais attends, ça me rappelle quelque chose, cette histoire-là. Bah ouais, tu parles de ça, on est en train de parler d'un mec qui est en prison par rapport à ça, il avait tué son chien parce que son chien était handicapé par rapport à une histoire comme ça. La femme du mec avait roulé sur la patte du chien et le mec il voulait pas un chien handicapé, et du coup il lui a foutu un coup de hache. Il a buté son chien. Ouais, il a mis des coups de hache. Des coups de hache et puis il l'a tué comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et le mec il est interdit d'avoir des animaux de compagnie à vie. Il a 30 mois de prison là. Bah, normal. Moi, juste pour ça, je dirais qu'il devrait réinstaurer la peine de mort, mec. Ouais. Tu veux nous rejoindre Ouais. Bah, rejoins-nous. Ouais, parce que les Sims 4 entre nous, hein. Ouais, les Sims, c'est pour ça, j'étais en train de rechercher des amis sur Sims ou quoi, là? Ouais, non, mais parce que je l'ai craqué et je sais pas, ça passe pas, faut couper l'internet. Ah ouais. Ouais, bah après c'est pour... Ah, parce que tu peux jouer avec d'autres personnes par internet. Moi je sais pas, j'aime bien tuer les gens sur les Sims. Ah ouais, ou même ton propre perso, non? Non, je les appelle par des noms des gens que j'aime pas. Sale crotte. Dont je tairai le nom. Grosse merde. Aurélien. Oui. Ça, c'est tout de suite l'autre. Oui. Toi, Wizox, tu vas passer un sale quart d'heure, toi. Elle est partie, Mini, là, j'ai vu qu'elle était à 5 minutes. Elle est partie bouffer. Mini, ah bah il y a un moment, bah là, elle est en train de s'étouffer, là. Elle est en train de s'étouffer, là. Elle est en train de créer un autre bourrelet, là, en ce moment. Elle a dit qu'elle était trop maigre. Ah oui, je suis trop maigre. On va pouvoir l'appeler Bibadum après. Attends, gros, elle fait du sport, puis elle bouffe, elle fait du sport, c'est comme si elle tournait en rond. Oh les bâtards! Bon, en vrai, moi je parle, mais je mange, je grossis pas, mais je fais pas de sport. Voilà. Moi ça serait le contraire. Moi j'en ai connu un, il bouffait un pot de Nutella avec une baquette entière. Et puis il prenait même pas un gramme de poids, quoi. Moi je connais des gens, ils prenaient leurs doigts, ils les remettaient dans le nez, puis ils les mettaient dans la bouche, puis dans le cul, et ainsi de suite. D'accord. Non, je rigole. Bon, est-ce qu'on va regarder une vidéo de Potatoes? Potatoes? Ouais, tu connais pas? Vico? C'est Potatoes. Vico. Potatoes. Non, je connais pas Potatoes. Attends, merde, voilà. Ok. Putain! Et bon, les alcoolos! Bon, avant de commencer, je vais faire une dédicace à tous les illettrés parce que vraiment. Ah, ça pour Jounette, je suis sûr qu'il va. Putain, mais mon PC il rame de plus en plus là avec les vidéos. Je peux même pas mettre Twitch et puis YouTube en même temps maintenant. Je crois que. Ouais, mais attends, en vrai, j'ai une question. Ouais. En fait, depuis le temps que j'ai installé le SSD, comment dire, j'ai installé un truc sur le PC, tu sais, tout ça, un logiciel pour faire des trucs tranquillement, tu vois. Un logiciel, tu sais, pour craquer un truc pour avoir Photoshop gratuit, tu vois. C'est un truc normal, bref. Ouais, bref, j'ai installé Adobe Creative Cloud. C'est le truc qu'il faut pour craquer Photoshop, bref. Ouais. C'est un truc officiel. Mais bon, bref. Ah ben, en faisant la faille, tout ça, ben, y a un truc qui s'est mis dans mon PC. Et genre, à chaque fois que je clique sur... Ben, quand je suis sur YouTube, j'ai beau cliquer genre sur le bouton j'aime pour une vidéo, ça m'envoie vers une autre page et ça me... c'est un spam, en fait. Et je sais pas s'il y a un truc... Mais Adblock Adblock
Ouais, Adblock. Pour les pubs ou tout ce qui est intempestive, ouais, tu mets ça. Ah ouais. Ouais, Adblock. Bah oui. Bah moi, sur C'est pas bien, généralement, quand j'allais sur C'est pas bien, tu sais, pour télécharger un film, ils te balançaient en fait des pages de cul, des trucs comme ça. Et, ouais, mais c'est ça, ça, c'est ça. Ça va, mais moi, c'est H24. C'est H24, moi. Bon. Bah après, je sais pas. Ah, c'est Missou, il a sous poisson. Y'a rien, tu suces ? Pas toi, en tout cas, c'est sûr. Non, s'il te plaît, allez. Tiens, vas-y, Jounette, mets la soupe au son. La soupe au son. Ouais. Dans mon restaurant, vas-y, j'apporte un détail tout particulier. Putain, y'a le cirque à 200 mètres de chez moi, quoi, je suis à mort. La soupe au son. Et encore, c'est pas. C'est Messouille. Tu connais Messouille ? Ah ouais, bah ouais. Ouais, voilà. Bon, du coup, je vais aller. Pour l'instant, il n'y a pas de pub. Ça va. YouTube ! Yeah ! Non, au début, ça commence avec. Tu sais, les. Avec de finesse et puis merde, c'est qui déjà? Jean Carmé. C'est ouais. Dans la soupe aux choux, le film avec la soupe aux choux. Ouais. Et en fait, tu les as au début. Pas d'image, c'est le mix de. D'une heure, je sais pas combien, ou c'est juste un son? C'est du son, après ça part. Mais au démarrage, ça part directement avec le film de la soupe aux choux. Mais là, celui que je viens de récupérer, c'est pas l'original. Je sais pas, il y en a plein là, de la soupe aux choux. Bah, moi, c'est pareil, j'en ai un paquet. T'as CO2, t'as les Artec, Narcotech qui font aussi. Il y en a un paquet. Je sais plus qui c'est qui le faisait justement. Attends, je vais le savoir. Ah ouais, c'est bon, j'ai. Putain, j'ai une mise à jour sur Fortnite. Ouais, bah oui. Ah, le soupçon, je l'avais récupéré il y a quelques années, ça. C'est pas l'original. Franchement, je préférais vraiment l'original, quoi. Ouais, allô, tu peux aller te faire enculer, sale bâtard. Te faire enculer, sale bâtard. D'accord. Ouais, excuse-moi, j'étais sur une téléphone. Attends, j'ai essayé de te fouiller. Ensuite, le décor, oui, parce que... Les mecs, ils sont posés trois murs, ils sont... Ça coupe, meuf. Il y a une différence avec Fortnite et votre... Fortnite, on peut danser... Oui. Toi, et t'en j'ai trouvé, Vortex. Attends, je regarde. Je viens juste de voir les messages. Le patron est demandé en vocal squad, merci. Alors, qu'est-ce qui se dit un peu sur le serveur? Ah putain, ils ont remis le 50-50, c'est vrai. Ouais. Bah, on était en train de faire ça. Putain, moi j'ai encore tous mes défis à faire. Tu m'étonnes.
Moi, il m'en reste plus que... Il m'en reste 12. 12 paliers à faire. Pour être à fond. Ouais, ouais. Une heure et quelle? Ouais. Ouais, ouais, je sais, une fois il a dit. Tu connais Birdie Nam Nam? Ouais. C'est différent. Pareil, mais voilà. Ouais, ils sont 4 à jouer sur les platines, quoi. Ouais, ils sont pas mal. Un truc dans notre coin de la Charente, c'est Unclonade, tu connais, non? De quoi? Unclonade. Non. Attends, là, moi, ce soir, pareil, je devais aller à une teuf encore, mais j'y vais pas. Attends, je vais t'envoyer un avec Mario dedans, en plus. Attends. Merde, c'est Poulos, et puis... Attends, j'essaie de le trouver. Unclonade avec Mario. Mitch, voilà, c'est Mitch. Putain, j'étais en train de le chercher. Voilà, Poulos, c'est Mario. Ah, voilà, c'est ça. Putain, je vais t'envoyer ça. Donc, ces t-shirts, on fait des maintenant sur le site pour 17€. Si jamais vous voulez un t-shirt, 17€ le t-shirt, fils de pute, tu te fous de ma gueule? À ce prix-là, j'achète des putes. À 10€? Ouais, bah alors là, mon pote, 17. On va trouver à 10, même à 17, une pute. Non, t'inquiète, y'a des putes de luxe. Elle doit être vraiment moche. Hein. Y'a des putes Monoprix, y'a putain des putes Carrefour. D'accord. Nous allons parler de. Quentin. Ouais. T'as écouté ça là. La chicha, là, je l'ai fait gagner pendant la tour. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard. Ça vient de chez nous, ça. J'ai parlé de lui récemment. Sauf que je suis sûr que je suis beaucoup plus grave et quelque chose qui ne peut pas être ignoré en fait. Alors, on va commencer par la base. Poulos. Donc, Quentin avec un 4, c'est un méchant garçon, dur de presque 400 000 abonnés qui avait sa chaîne sur un ancien blog sur Facebook et sur la chicha. Et j'ai récemment parlé du côté chicha de sa chaîne. Attendez, je tire mon pull. Ah Mitch, moi je le connais depuis un petit moment quoi, je suis même allé à son anniversaire. Poulos, si je le connais un peu, mais il est plus reconnu que Mitch. Ils font partie de la même équipe quoi. Et 34€ pour faire de la chimie avec une chicha. Ça, on a 5 fois du courrier pour apprendre à faire une chicha, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, vous savez, il a aussi fait des présentations. Ça m'a décoré quoi. Pisse bien, je suis 85%. Je
je reviens, Wizax. Oui, pute. Ok. Oui, pute. Je dirais 7, mais ouais, je le mets. Écoute, la musique met son oreille à 200 points. Il y a de l'ambiance chez Aurel. Aurel ? Écoute. C'est quoi Aurel ? Écoute, écoute la musique, écoute. T'entends ? Bah oui. Bah je sais pas. Mais ça vient de chez Aurel, mais il y a de l'ambiance chez lui ce soir. Mais il branle quoi là ? Je sais pas. Il est pas sur le Discord ? Si, il est là, mais genre il doit revenir dans quelques... Dans quelques quoi ? Quelques secondes. Ah bon ? Je sais. Sur les... Bon, il est là, mais genre il doit revenir. Bon, Wizox, ça. Il est parti là. Non. Ah ? Ouais, non. Oh non, il y a Hoffman avec nous. Oh non, pas lui. Ah bah si mec. Oh putain, bah je me casse. Par contre mec, elle est magnifique ta musique d'ambiance. Oh putain mon fail. C'est gentil en vrai. De quoi qui est magnifique? La musique d'ambiance que tu mets derrière. Ton visage. Bah Jounette il est parti là. Il arrive, il arrive. Ouais bah c'est dommage hein, je suis là maintenant. Ah mais ta mère toi. Mais on t'a pas invité toi hein. Ah bon? Moi ouais, je l'ai invité, t'as un problème. Oh, je l'ai invité, t'as un problème. On t'appelle voilà, Top l'incruste. Joe l'incruste. Toujours là pour nuire de la merde. Oh, Red l'incruste. Oh, Red l'incruste. Oh, non, Red, non. Hey, vous m'avez invité. Je me suis pas incrusté. Non, on t'a pas invité, non. Putain, y'a de la viande chez toi, gros. Pourquoi c'est une musique, mais... Moi, ça me donne pas envie de... Je suis pas chaud, là, avec cette musique. La musique, là, c'est une bonne musique d'ascenseur, là. C'est de la merde que tu balances, ça vaut rien. Non, ta musique d'ascenseur, wesh. Wesh, 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 wesh. Wesh, la famille. Ah mais wesh hein, wesh gars, c'est de la merde wesh. Eh wesh t'es une merde. Ah mais t'es une merde wesh. Ah mais t'es relou wesh. Bah ouais, c'est pas wesh. Comme ta gueule wesh. Non mais t'es relou wesh. J'ai pas grave la gueule wesh. J'ai un peu trop horrible. Hein? C'est quoi ta musique là? Non mais elle est bien. Ouais elle est bien, elle donne pas envie de se chauffer. Hein. Bah vas-y, hey, si ça donne envie de te suicider, vas-y fais-le. Hein. Bah c'est une bonne musique d'enterrement là, en fait. En plus. D'accord. Ça en attente. Donc Joujou à sa caquette, avec sa caquette. Mini, je sais pas, Mini avec ses bourrelets maintenant, enfin avec ses nouveaux bourrelets. Quel bourrelet ? C'est quoi ? Bah elle dit qu'elle était tellement maigre alors. Elle veut ressembler à Bibadom. Bah tu connais pas ça toi. Non. T'as pas un truc qui fait plus chauffer là par ton truc d'ascenseur? Mais c'était Mario, gars. Mario? Bah oui, c'est, écoute bien au début et puis. Bah ouais, ça se reconnaît, mec. Hein. Désolé, ouais, t'es nul.
Mario aussi. Ah. Plus. Bah ouais, c'est un jeu. Oh non, non, mec, dis pas que tu connais pas. Ah si. Non. C'est pas une musique, c'est un jeu, wesh. Ouais, mais... Bah c'est la musique du jeu. Bah au début, t'as la musique du jeu dedans. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ils l'ont transformé, c'est ça? Il y a un remix. Attends, on va revenir en arrière. Non, c'est je vais te faire écouter. Voilà. Il faut s'ambiancer sur ça, hein. Vu que vous avez même pas lu ce qu'il y avait plus haut aussi dans le Discord, je vais vous le remettre. Quoi, je l'ai lu, abonnez-vous, dites-moi s'il y a un problème, merci, non, je l'ai lu. Non, encore plus haut même. Plus haut? Mais ça fait, c'est hier, sinon plus haut. Ah là, ta musique, là, la digue du cul, là, ça je l'ai regardé. La digue du cul. Ton truc de test, ça je l'ai pas vu par contre. Quel test? C'est juste un test, mais l'image pour moi n'est pas terrible, le son du jeu après le dessus. Ah oui, bah ouais. Mais en fait, on m'entendait plus, j'étais sur Overwatch. J'ai fait Overwatch et j'ai fait Fortnite. Ouais. Bah en fait, le son du jeu prenait le dessus de mon micro, quoi. Et là, je sais pas si c'est vraiment nickel. Sur la vidéo, est-ce qu'on m'entend très bien et puis le son du jeu aussi, quoi. Bah je sais pas, t'es pas en live, là. Bah, attends, déjà. Je suis en live. Ah bon? Bah oui, je suis en live. Ça fait, ça fait déjà 2h40 que je suis en live là. Sur Twitch? Non, sur YouTube. Ah. Attends, j'allais regarder ça. Attends, je t'envoie le lien. Mais qu'est-ce que t'as dit? T'as pas lu plus haut? Non, c'était la digue du cul. Tu ah, mais oui, je l'avais. Si, je l'ai regardé ça. Ouais, je suis sur ton live là. Après, faut voir, je sais pas si le son est bien. Moi, est-ce que. Ah, si, c'est un bon son. Est-ce que moi, on m'entend très bien est-ce qu'on entend les personnes qui sont avec moi aussi en train de discuter? Est-ce qu'on les entend? Parce que vu qu'il y avait eu un problème là-dessus. Les gars, il est mort. D'accord, toi, t'es en train de tout. Oh là là là. Mais déjà, Negan, il est pas mort. Negan, il est mort, tête de bite. Tu veux que je t'envoie la vidéo? Qui ça? Il est pas mort, wesh. Mais mec, qui ça qui est mort? Negan. C'est qui, Megan? Negan. 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 Né. Negan, négro. Négro, nègre. Oui, Negan. Negan. Non, il est pas mort, il a troué son cou et le mec l'a sauvé. T'es con. C'est quoi ce film-là? Walking Dead? Ah ben non! Dead! Walking Dead! Ouais, c'est dans Walking Dead. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai jamais regardé. Quoi? Il meurt pas, il y a le docteur qui le sauve. Quoi? Je connais pas du tout, non. Bon, bah moi je dois aller bouffer barbe. Oh, c'est les trucs de moi zombies, je vous laisse, les gars, j'ai ouais. Pas votre temps. Bah, moi je vous laisse, je vais bouffer barbe. Mais vas-y, casse-toi. Voilà, ça va pas les vacances. Okay, merci. Allez, salut. Ouais, vas-y, à plus, à tout à l'heure. Ouais. Ça dégage. Putain, je lui dis ça dégage, le mec il reste là. Bah, il est encore dans. On va le mettre en AFK. Mini, elle est en AFK aussi. Ah, vas-y, déplace. Bah, il y avait Jounette qui était là. Il va revenir. Mais oui. Qu'on se fasse une partie ou dans ce cas-là, on peut basculer sur un Battle Squad à la rigueur. Ah, si tu veux. Un Black Squad plutôt. Ouais, Black Squad, si tu veux, au moins les deux. Bah, moi à la base, j'étais parti pour. Par rapport à mon YouTube, ce qui est marqué, c'est pour Fortnite en 50v50, quoi.
Bah si on fait du 50, bah, du lui il avait, sa mise à jour à faire. Qui? Jounette. Black Squad ou... Non, de Fortnite. Ah, il vient d'arriver le mec? Bah Jounette. Bah il est arrivé tout à l'heure, il y a entre 5 et 10 minutes à peu près. Ah d'accord. Bon, comme tu veux, un Fortnite ou Black Squad. Moi, je serais chaud pour du Fortnite, d'accord, mais Black Squad, tu veux. Alors, toi, tu fais le robot, mais c'est incroyable. Encore une fois. Moi, je fais le... Normalement, là, c'est bon. Je te jure, tu faisais le robot. Normalement, c'est bon, là. C'est bon ? Bah, pour l'instant, ça va. Du coup, moi j'étais chaud pour un Black, pour un Fortnite, mais si tu veux Black Squad, pas de soucis. Bah pour l'instant, je suis sur Fortnite. Moi j'étais sur un 50-50, histoire de m'amuser un peu. Mais t'as vu, ils ont modifié la zone, hein, maintenant. Ah bon ? Ah ouais, maintenant c'est de 10 en 10. Hein. Alors si. En gros, ils. Ah oui, ça oui. Ils essaient de rapprocher tous les gens au niveau de la zone. Alors, bah oui, parce qu'avant, moi, ce que je faisais, je m'éloignais, je récupérais tout ce que j'avais à récupérer. Puis après, bah, dès que j'avais un tremplin, je me rapprochais. Mais la zone touchait pas, quoi. Mais là, pff, c'est infernal, à te bousiller de 10 en 10, quoi. Ouais. Alors, du coup, faut pas trop s'éloigner de la zone, parce que sinon, c'est mort. Hein. En 10, alors du coup, en 10 coups, t'es mort, quoi. Donc, ouais. Si t'as pas de bandage, pas de kit de soins, c'est mort. Vire Mini du canal. C'est Wizox qui marche. Wizo Serious. Wizo Serious. Allô. Oui. Ouais. Allô. Allô. Pourquoi tu parles comme ça? Eh bonjour, je suis en live sur YouTube. Bah tu l'as mis où, Mini? Dans la poubelle? Non, je l'ai mis en offre. D'accord. Hop, ça dégage. On part sur du 50. Bah Wizox, on va le mettre en AFK pour l'instant. Attends, ça dégage lui. Bon, vous venez jouer. Ah merde, je l'ai mis dans AFG. Non, mais je l'ai mis en AFK, moi. Ah oui. Vous jouez où? Ouais, bah, 50-50. Ouais, pour l'instant. T'as juste à nous rejoindre, ouais. Ouais. Bon, attendez, je fais mon compte PayPal et j'arrive. Tu fais ton compte PayPal? Mm. D'accord. Il est con, il a spoilé. Hop, email. Éliminer des adversaires à Lucky Lonely. Ouais, bah ça, je vais le faire en solo, je crois. Ouais. En squad. Fusil à pompe, j'ai encore deux coups à faire en fusil à pompe. Ah pistolet ouais. Mitrailleur, j'en ai encore un à faire. Ah ça, ouais. Ça, c'est les quotidiens. Après, en défi, quoi, c'est Lucky Land. L'arme silencieuse, putain, j'en ai encore deux avec les silencieux. Putain, il va falloir que je le fasse. Hein. En piège, ben, c'est pareil, je suis bloqué encore sur le piège. Il me reste plus que ça à faire. Hein. En gros, j'ai plus que trois machins à faire au niveau défi. Parce que le 8, j'ai quasiment plus rien. Le 9, plutôt. Le 9, il me reste plus qu'un. Il me reste plus qu'une élimination sur Lucky Landing, c'est tout ce que j'ai à faire. J'aurai 10 étoiles, donc c'est-à-dire j'ai monté à 10 étoiles, ça représente quoi? Ça représente un palier, non? Ouais, 10 étoiles, c'est un palier, ouais. Et donc je suis à... Je suis à 88, donc je passe à 89 après. De quoi? Pour le Lucky Landing, il faut que je fasse un meurtre. Bah je pense qu'en solo, il y a bien un qui se... 2, 9, 7, 0... Ah, faudrait 8. Que je me fasse du solo aussi, ouais. Je pense qu'en solo, ça passerait plus facilement que de le faire en squad, parce que ça va être le bordel. Et voilà. Et c'est le petit icône. Pourquoi il a changé d'ailleurs, c'est le mien. C'est le petit icône qu'on a à gauche de notre nom là. Toi, moi, c'est un triangle.
un fond blanc, entouré de bleu. Oh, toi, c'est un requin, toi. Ah oui. Comment il faut le modifier, celui-là? Ah, tu vas dans un casier. Dans quoi? Casier. Casier? Ah ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. You can make up with better art. Ouais, ça me plairait, ça. Ça va mettre quoi, là? Ouais, je vais le laisser en couleur, comme ça. Parce que là, ton petit triangle dégueulasse, là. Non, celui-là, c'est bien. Moi, c'est un bon petit requin, là. Ah, t'as mis deux haches. Un Hoffman, rejoins le groupe. Ah, Hoffman, il a ressorti la chevaleresse rouge. Ouais, bah, ouais. Il a sorti sa guitare. Coupez-lui les cordes de sa guitare, bordel, merde! Et pourquoi je suis toujours à 110% moi en bonus XP là? Bah pourquoi pas? Bah mais c'est pas normal! Avec tout ce que j'ai fait, normalement je devrais être à 120% comme vous. Non, 120% c'est 96, pas les 96. Ah bon? Ah ouais. Et Shork il est à 120 lui? Non. Ou il est à 110? Il a combien? Bah ça dépend, je sais pas, il est palier combien lui. Bah il avait un peu plus je crois, par rapport à moi. Ouais mais je sais pas. Bon bah du coup je mets prêt. Hop. Non, attends, j'envoie mes thunes. Je sais pas si Joss il a pu. Alors je sais pas si Joss il a pu récupérer ses trucs. Ah. Les oreilles. Minique est là. Oh. Ça y est. C'est bon, t'as récupéré un bourrelet? Non. Non. Non, je parlais de Stephen Hawking avec ma maman. D'accord. On s'en fout. Génial quoi. Trop plaisir. Stephen Hawking. Yeah. La loi du plus fort. C'était qui Aurel? Mm-hmm. De quoi? Il y a Anthony Hopkins? Non, c'est pas ça. Non. Stephen Hawking. C'était pas son frère? Stephen Hawking, c'est qui? Ah, c'est quelqu'un hyper connu. Bah, c'est le celui avec la queue de cheval, ça? Non. Stephen Hawking. Stephen Hawking. C'est pas lui qui fait des arts martiaux? Non. Ah, putain, je suis en train c'est de... scientifique en fauteuil volant. Ah oui, lui, il est dégueulasse là. Ouais. Je vois pas vraiment, vraiment moche, hein, le mec. Dans quelle série? Parce que si c'est une série, c'est sûr que je le connais pas du tout. Mais non, c'est un scientifique très connu. Mondialement. Ouais, tu es très intelligent. Bah oui. Ouais. X-Men alors. Mais non. D'accord, ouais, on arrête ça. Tout non, par contre, ça me fait pleurer. Hein. Ah ouais? Bon, mais tant mieux. Mais c'est, il est hyper connu. Perso, moi, avant qu'il meure, je le connaissais pas. Bah... Ah bon? Non. Moi, je connais grâce aux Simpsons. Ouais, mais les Simpsons, ils se rattachent un peu à tout, quoi. D'accord. Ouais. Tu connais, comment ça s'appelle? The Big Bang Theory? Oui, bah moi, je l'ai vu là. Non. Big Bang Theory, ouais, je connais bien. Il parle de lui. Putain! Y'a pas de putain qui tienne. Et y'en a pas chez nous. D'accord. Ok! T'as été ta grande vie, Hoffman? Super. Il a fou chez lui, mec. Ouais. J'ai tué un mec, mais c'est pas grave. De toute façon, c'était un gosse donc. Ah bon bah. Tranquille.
s'en fout alors, mec. Tant mieux, quoi. En plus, il était noir, donc tranquille. Ça, c'est raciste. Non, je trouve pas, non. Non mais par contre, ouais. Ça serait bien un abonnement sur YouTube, sur mon adresse YouTube, ça serait bien. Hein. Bah, je crois que Goffman, tu l'as fait déjà. Ouais, moi je l'ai déjà fait. Hein. Genre, on reconnaît les meilleurs potes, quoi, tu vois. Bah, des fois, je me... Quoi. On connaît surtout les suceurs, mec. Non. Les suceurs. Oh, t'es mon copain, je m'abonne à toi! Ouais. C'est comme ça que... Maintenant, c'est comme ça que je vais régler le problème sur Discord. Comment? Ben, ceux qui suivent pas, allez hop, on les fait dégager. Voilà. Ah ouais? Ouais. Pas très long, c'est ça. Ouais, je sais, ouais. Mais il faut être radical au bout d'un moment, non? Toi, t'as pas fait ça? Ok! Soit je te rétrograde, ou soit sinon je te banne. C'est soit l'un ou soit l'autre. Rétrograde. J'ai voulu le faire à la façon entier. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, t'es juste niqué. Je rétrograde. On te croit tous. Qu'est-ce qu'il a, mon frère? T'as un problème? Ouais, pas de problème. Pourquoi tu parles en rasta, mec? Non, un vieux rasta tout pété aussi. Je te vends des tapis, moi. Mais quand on est en train d'aller tilt, c'est hallucinant. Après, je sais pas, ça fait un peu bâtard parce que tu vois, ça fait mélange rasta et puis musulman, quoi. Ouais. Ça fait gay, quoi, c'est homosexuel. Ça ressemble à rien. J'en connais un autre gay, moi. Hein? J'en connais un autre gay. Vas-y, dis. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Ton micro, il est faible. Elle a dit des conneries. Oh, femme, monte ton micro. Moi, je dirais Hoffman comme gros gay. Voilà. Ah là, j'entends mieux. Mais vraiment le gros gay, quoi. Ah ouais, bah oui. Ouais. Mais je veux pas l'avouer. C'est un gay refoulé. Ouais, je vous emmerde, ça. Ouais. Ah, ils sont en train de défoncer la... le bâtiment qui part. Non, je me sais là, j'en ai marre d'attendre. Non, bah, attends, mais vu que je suis gay, tu vas pas venir. Non, mais c'est moi le chef, donc tu vas pas venir. Mais c'est un garageur en plus. C'est moi le chef. Essaye pas de te racheter parce que ça marche pas. Non, c'est moi le chef. Non, tu rigoles toi. C'est moi le chef. Bah maintenant c'est moi. T'as juste à fermer ta gueule toi. Non, t'arriveras pas. Ça vaut rien. D'accord. Bon, invitez-moi dans à jouer avec on est en game là. Quoi, Aurel? Quoi, Aurel? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. T'as dit quoi avec Shark? Connard, ouais. On a bien baisé hier, Aurel. Ah, ça m'a fait vachement marrer, moi. Oh, les balles de pompe, je les voulais, moi. Connard, va. Bah. Allez, vas-y, boogie woogie là. Enculé, va. Bah. Bon, ils sont de l'autre côté du lac. Oh, vous êtes où d'ailleurs, vous? Parce que moi, je suis parti, mais j'ai suivi personne. Hein. Non, moi, je suis. Putain de portable à la con! Ah!
Vas-y, balance-le d'en haut. Bah il est déjà cassé en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à l'éteindre. Mets-le dans la poubelle. C'est marrant. Ouais, hey. Le plus radical c'est tu le mets dans l'eau. Ouais. Tu verras, il va s'éteindre. Non mais déjà en fait je vais l'envoyer à réparer. Bah ça va te coûter cher. Bah non, parce que j'ai l'assurance. Parce que ma mère, elle sait très bien que je casse des sables tout le temps, donc... Prends pas soin de tes affaires. Oh là 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 là. Non, de mon portable. Je l'aurais tué. Putain ! Comment ça, putain ? Y'a pas de ça chez nous. Comment tu peux genre juste arrêter de crier dans mes oreilles ? Ouais, je confirme. Oh, ça va, toi. Mon portable, t'enlèves la batterie, c'est bon, il est éteint. Mais ma batterie, ouais, mais pas, si c'est des nouveaux téléphones. Mais il est mort, ton portable, arrache-la. Tu peux pas les enlever, les batteries. Hein. Mais non, mais il faut que je l'envoie là-bas, comme ça, soit il me le répare, soit il me le change avec un mieux, soit il me donne 400 euros. Ils vont te donner 400 euros pour ça? Ouais. Mais ils ont fumé quoi, là? J'ai du mal à croire. Parce que quand je l'ai acheté, il coûtait 400 euros. Mais oui, mais t'as vu l'état dans lequel il est? Eh ben, ils m'ont le donné, parce que j'ai la durée. Putain. Là, genre, mec, je serai à leur place, je fais t'as vu le truc que tu nous envoies? Tiens, on va te donner 400 euros, mais tu vas voir ce qu'on va de tes 400 euros, on les aura bouffés. Il est cassé en 1000 morceaux déjà. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez roulé dessus ou quoi? Mais jamais ils vont te le réparer. Putain, mais je comprends pas. C'est Orange, hein, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ok, pas de problème, on va le réparer ou vous le changez avec un qui vaut 400 euros ou sinon. Soit t'en prends un autre qui vaut 400 euros, mais il le fait pas réparer. Ah, mais du vraiment. Fait qu'il est cassé, je sais pas si ça va marcher avec. Mais non, mais en fait, je pense qu'il est irréparable, du coup, vu que j'ai irréparable. La chance, ils sont... Oui, c'est le non, t'as gagné. Non, mais j'ai compris, ouais. Et bah, du coup, ils m'ont dit, bah, de toute façon, même s'il est pas réparable, et bah, on vous en donnera un autre ou on vous donne 400 euros. Donc je suis gagnante, sachant que je l'ai payé 200 euros quand je l'ai acheté. T'as pas dit 400? Bah en fait, il valait 400. Putain. Mais ragez pas, hein, c'est bon. Putain! Bande d'enculé de mes couilles là! Oh, je t'ai vu, tu t'es fait éclater, mec. Hein. Bah non, bah l'autre il est rentré, puis putain, je dis, bah merde, il y avait une femme, c'est un mec qui sort. Ouais, c'est deux, j'avais pas vu l'autre. Eh, je l'avais bien touché l'autre, hein. Attends, la gonzesse. Mon torse l'invite. Oui. Bah rejoins. Bah j'essaye, ça me veut pas. Bon bah tu joues pas avec moi alors. Bah ça veut pas parce que je suis encore. Ah bah parce que Red. Tu nous vois pas en fait, en gros. Non, c'est moi qui gère. Oui, mais même, ça veut rien dire, c'est que genre Hoffman il est toujours pas mort et toi non plus. Enfin, vous êtes toujours dans un game. Mort, oui, mais vous êtes toujours dans un game. Ouais. Genre. Je suis dans le groupe là, ils disent. Ah, mais attends, je suis même pas sur Hoffman, je voudrais voir ce qu'il fait. Qui moi bon, ouais, voilà. Bon, maintenant, regardez sur la vidéo et dites ce que vous en pensez de ce que Hoffman fait. Oh, mais c'est de la merde hein, ce qu'il fait. Hein. Ah ouais. Bah, attends, je vais moi, check. J'aimerais juste rentrer dans le groupe. S'il vous plaît. T'as de l'argent pour ça? Oui. Ah, ils sont tous au milieu okay, là-bas, c'est enculé. Il y en a qui sont à gauche là-bas. J'ai 1 400 000 euros. Ah, bah impeccable. J'ai 1 milliard d'euros. Putain, j'ai une putain de voix frustrée. Remarque, on est pas trop loin donc tu m'envoies ça. On peut prendre rendez-vous, je sais pas, à un tel endroit et puis voilà, on s'arrange entre nous. Non, mais c'est un peu compliqué. De quoi? Oui. Arrête de tirer Hoffman, j'entends plus là. De quoi tu disais? C'est un peu enculé d'Hoffman. Attends, non, vas-y, répète. Moi? Ouais. Ça sent un pédophile. C'est un pédophile, cherche pas. Hoffman? Oh oui, ouais, carrément. Oui. Ah, il le dit en plus, hein. Il le dit clairement, hein. Oui, hein. Ouais. Il est joyeux quand il le dit en plus. Ouais. De quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est fier de l'être. Ouais. Tais-toi. Mais arrête de parler surtout.
m'entendez mieux comme ça. Mais on veut pas t'entendre. Wesh. Ah. C'est moi. Ah, c'est Jeanette. Salut. Bien. Ah mais putain, maintenant c'est qu'on est, on est full là maintenant. Je sais pas, y'a aussi Fayos qui est parti. Ah, t'étais le seul à mourir, Hoffman. Bah, je suis dernier. Bien, toi. Moi aussi, c'était pareil. Ça va, il fait beau, du coup, je suis heureuse. Je vois ça. Je marche en tongs, en short. Allez, hop, il fait beau. J'étais dans mon jardin. Cueillir des fraises. Non, on veut des mauvaises herbes. Ah bah, c'est moins sympa ça. Ouais. Bon bah du coup, Piu-Piu là, il fait quoi les Piu-Piu là, il est parti en mode. Bonjour. Bonjour. Non mais c'est que genre, bah, vu que Jounette il a rejoint et j'ai failli click, bah je peux plus vous rejoindre. Ah merde. Honorine, mettons un astronaute noir. Pour? Bah parce qu'on fera 2-2 comme ça, c'est pas bon. Mais oui, mais moi je veux être une fille. Oui, mais non. Mais t'as vu ta tête? Bah, elle l'a peut-être pas, hein. Mettons un astronaute noir. Oui. Est-ce qu'elle l'a au moins? Mais oui, elle l'a, c'est moi qui lui ai débloqué. Avec ou sans sac? Avec. Attendez, j'ai l'annulation du matchmaking, c'est... Ah mais il y avait Jounette, c'est con, là. Parce que normalement, il fait nous rejoindre, Jounette. Mais Jounette est tout seul. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Tu peux nous parler, hein. Mais là, si tu veux. T'as le droit de t'enfuir en courant. Je vais partir parce que vous êtes tous des enfoirés. Oh non. T'inquiète, si. Je vais te rejoindre, on fera un duo, Jounette. On va se faire du Black Squad. Ouais. Ton jeu préféré. Ah bah là, je suis chaud là pour Black Squad. Moi aussi, je suis chaude. Bah, moi t'es chaude. Ok, bah en fait, on se fait une game, puis après on part sur du Black Squad alors. Mais c'est ce que j'allais dire. Et Piu-Piu, tu l'as? Piu-Piu, je sais pas s'il l'a. Non, j'ai pas trouvé de hack, du coup, j'aime pas. T'aimes pas? Black Squad, Piu-Piu. Non, mais allez, viens, on y vient! Faut que j'installe. C'est chiant. Bah, tu l'installes. Installe-le! Bah, commence à l'installer pendant la game. Bah, non, sinon là, vous me voyez plus jouer. Hein. Ah, là, vous me voyez plus jouer. C'est pour ça, ouais. Bah, oui. Ah, non, j'ai pas de mauvaise co. C'est que j'ai une co très limitée. Mais elle est très bonne, ma co. Bah, moi, ça m'empêche pas de télécharger puis de jouer en même temps. Oui, mais Aurel, j'ai une meilleure co que Hoffman et Mini Daenerys réunis. Hein. Ah bon? Mm-hmm. Oui. Aïe! Moi, je parle de ma co là, j'étais pas agressé, moi. Bah, c'est bien, Maco. Non, pas toi, non. J'ai une très bonne courbe pour le bled où je suis. Le bled. C'est-à-dire. Je t'ai chargé. Non, Montillé. Je t'ai chargé à 3 MO, c'est vraiment. Wow, t'es trop fort. T'es où? Non, mais parti où, Hoffman, là? Ah, il est parti en haut, lui. Allez, va pas trop haut, hein. On va se faire baiser par la zone après. Jounette vient dans mon bled, tu comprendras que c'est vraiment ouf, hein. Ça pue la bite, hein, vas-y, bord. Ouf. Non mais il y a une bonne co, du coup ça me va. Mais c'est ouf, frère. Un aralo. Ah mais c'est ouf. Ça te fait quoi de traîner avec des jeunes? Une scare. Ça me il touche fait pas mal. Vraiment. Hein. Ouais, il y a des moments où je suis en train de me faire mal. J'ai dit putain, ils me font chier à me casser les couilles. À me traiter de vieux. Je prends mon mal en patience. Ah, mais tu sois jeune encore, ça y est. Non, mais je prends mon mal en patience. Hein. Ouais, mais t'es le premier à t'inventer que t'es vieux, mec. Ah ouais? Bah, t'es en train de dire, ouais, parlez-moi mieux, je suis plus âgé que vous et tout. Bah ouais, hein, c'est ça. Hein. Mais je vois, y a personne. Tu sais, moi la bite. Non, ça, j'ai jamais dit ça par contre. Ouais, si. Merci, j'adore. Si, tu l'as déjà dit plein de fois et tout. Ouais, bah toi, Jounette, ça m'étonnerait pas, toi, de dire ça. Aucun, attention! Aucun respect pour les anciens, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux? Et voilà, ça refait son vieux. Bah ouais. Ça casse les couilles. Ça me démoralise. Au bout ça se victimise, allez. Ouais, je suis victimisé. Victime. Ouais. C'est con, j'ai pas une corde pour me pendre.
Espèce d'Hoffman. Je t'emmerde. Mais Hoffman, pourquoi tu dis espèce d'Hoffman? Il est pas là. Il est loin, là. Très loin. Bah non, il est très loin. Dans le jeu, moi je te parle, moi je te parle pas du Discord. Zounette, j'ai une question pour toi. Je répondrai oui. Est-ce que t'as une quéquette? Non, putain. Est-ce que tu connais Stephen Hawking? Qui? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ah oui. Oui, ben. Ah merci. Parce que y en a. C'est... Attends. Non, moi, c'est qui Stephen Hawking? Steven Seagal. C'est un écrivain, un scientifique. Et... Ouais, Steven Seagal. Bon, c'est bon. C'est, ouais, bien. Enfin, moi, c'est un putain d'acteur. Steven Seagal, moi. Parce que Aurélien, il connaît pas. Du coup, j'ai envie de le battre. Je connais pas du tout. Non. Vous le connaissez, vous, Steven Seagal? Steven Seagal. Non, si, Seagal. Ouais. Pas enfin, Steven Eagle, parce que Eagle, c'est plus un aigle, en fait. C'est lui que je partais à... Enfin, au bout d'un... Enfin, par rapport à ce que vous... Ah, merde. Oui, d'accord. Par rapport à ce que vous avez posé comme question, j'étais pas sur ce mec-là, j'ai dit, bah non, non, mais ouais, non, mais pas comme ça. Tu connais pas, t'es un culte, c'est pas grave. Ah, ouais, je suis un culte, ouais. Merci. Et là, elle va nous demander des trucs de son époque. C'est de son époque, en plus il est plus vieux que lui. Oui, mais moi quand je disais son époque, c'est quel est le nom du dinosaure qui est grand Il y a le Vélociraptor, le Tyrannosaure. Tu vois, il connaît bien son le époque. Le T-Rex. Bon, là je peux plus rien pour toi. Le Vélociraptor, parce que bon, c'est celui qui court le plus vite. Salut les compagnes. Merde. Oh, d'accord. Bah ouais, hein. Oui, tu fermes ton volet, s'il te plaît. Quoi? Tu fermes ton volet. Oui. Tu fermeras ton volet, s'il te plaît. Tu fermes ta gueule aussi. Ok, tu fermeras ton volet. Tu fermeras ton volet, hein. Oh la putain, toi, tu vas fermer ton volet, ça va chier, sinon. Ferme ton volet. Oh, ta gueule. On va pas te le dire 36 000 fois, hein. Attention. Ah, tiens, il y a un roquette 300 bois sur Tomato. Ah ouais? Ouais, un bleu. Ah, j'y arrive. Prends du bois. Je suis juste à côté de moi. Putain, j'ai pas assez de bois. Faut que je retourne dans le marais. Ah, attends, il y a le gros arbre là. Il devrait pouvoir faire l'affaire, celui-là. Moi, c'est bon. Putain, bande de cons! Ah ouais, il est mort, celui-là. Sub. Nickel. Adieu, monsieur le professeur. Je ne vous oublierai jamais. Tu ne diras jamais. Ouais. Tu connais vachement les paroles. Notre cœur. Adieu, monsieur le professeur. Et hey, tu vois, hey. Pourtant, ça existe bien avant vous, cette musique-là. Hein. Et puis, tu vois, Mini a connu. C'est, hein. C'est bizarre. C'est moi qui suis cultivé. LOL. Cultéré. Quoi? T'es cultéré. Aussi. Je rigole. Mais LOL. Mais je rigole avec mes babioles. Putain, il m'a fait flipper ce taillier. Il a sursauté. On a failli j'arrive. On l'a failli le retrouver au plafond de la map. Allez, j'essaie de récupérer 600. Je vais pouvoir me... Ah, bah c'est bon. Nickel. Je vais pouvoir me prendre deux lance-roquettes. Nickel. Allez, hop. Deux roquettes pour moi. J'ai une scarache en plus. Nickel. Mais que demander de mieux? Du talent? Du talent? Oh là là. C'est vrai. Bon, ça, il faudrait plus que 1000 bois, 1000 pierres et 1000 métal. Là là. Non, mais c'est que. Faudrait que je rachète tout. Faudrait que je demande à Epic Games justement de me filer un Wallach pour ça. Sinon, ça marcherait pas. Hein. Un Wallach. Un Wallach? Ah oui, pour devenir bon. Bah oui. Ah, il y en a qui est mort ici. Allez hop, j'ai deux roquettes. Nickel. C'est cool. C'est cool, ma poule. Allez. C'est gênant. C'est gênant. Tant mieux.
Par contre, c'est les roquettes qui me manquent. Hein. Wow. Hoffman, t'es parti où? C'est sur Tomato. Tu les as pris les roquettes ou pas? Oui. Ah bon? Depuis une éternité. Moi aussi, je les ai. Hein. J'ai même eu le temps de Schneider bleu, mec. D'accord. Non, moi, je m'en fous après, j'ai une scarache après. Mais moi, j'ai eu le temps de m'acheter le lance-roquette et l'air bleu. Dommage, on a perdu patate avec nous. On n'a pas perdu le meilleur élément, qu'on s'en fout un peu. Oh putain, mais l'autre. Mais je t'emmerde, toi, là. De quoi? Piu, là, piu, piu, là. Je parlais pas de toi. Je parlais de l'autre, moi, qui est morte. Ah, oh, d'accord. Ah, d'accord. Bah, patate. Ah, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oh, on arrive. Bah, j'essaie de te rejoindre. Si t'allais non, en fait, j'étais coincé dans le loot, en fait. Mec, t'es tellement juif que tu te mets dedans, quoi. J'ai un roquette légendaire, moi, donc c'est merde. Bah, c'est cool, mec. Sur le moment où tu joues à la roquette, c'est un peu nul, quoi. Y'en a un à côté. Ah, y'a une mitrailleuse là. Comment ça là? C'est quoi ce bordel là-haut? Je devrais pas mourir, je suis incroyable moi normalement. Voilà, bon bah je suis. Fais du malon. Je suis mort. Là, j'ai même pas fait un meurtre, j'ai couché les autres, c'est tout ce que j'ai fait, mais je me. J'ai même pas un kill, je suis dégoûté. T'as combien de kills, Flo? Moi, zéro. Oh ouais, je suis témoin, je suis sur lui. Attends, y'a un mec qui se tire dessus, mais je vois pas où qu'il est. Bah tu regarderas, y'a Mascarache, Ah mais t'es mort, y'a rien. Bah oui, mais elle doit être par là, là, normalement. Je vois pas les mecs, là. Ah, y'a mes deux roquettes aussi. Bah j'avais plus grand chose sur mes roquettes, par contre. Tire à droite. Y'a un mec en haut de la montagne là. Ah ouais, oui. Non mais quelle montagne? Merde. Pas dans la structure. Trop bas. Mort. Y'en a encore un autre. Oh bah laisse-le, Hoffman il fait le boulot là-bas. Il faut autre chose parce que là c'est même pas la peine. C'est pas par là que je suis monté. Putain, je sais pas où j'étais. C'est mort. 9 kills, mec. Ah, je commence avec qui? Mec, ça c'est un bug que j'ai, what the fuck.
9 kills. Voilà. Ah, je vous entends très bien en fait sur la vidéo. Oui. 9 kills. Ouais. Pas mal, hein. Bah là, je t'ai bien entendu, Hoffman. À la fin. Ouais, on t'entend bien sur ma vidéo. Bah sur ta vidéo, on m'entend bien. Bah ouais, bah je comprends pas pourquoi... J'ai refait des mises à jour. Alors est-ce que c'est ça qui a joué aussi là-dessus? Je sais pas. Mais avant, on entendait personne derrière, alors... On entendait le son, moi parler, mais on n'entendait pas les autres qui jouent avec moi, quoi. Ouais. Allez, Block Squad. Attends deux secondes, je modifie juste ma vidéo. Attends, j'arrête ma vidéo et puis je bascule après sur une autre. Mais Black Squad du coup, hein. Ouais.